We'll you

Welcome to La Rochelle at the Tribor Sailing Lab. Launched in 2021 in one of the biggest ports in Europe, our development centre is ideally situated to observe all types of sailors. At Tribor, for every product we design, we start by connecting with our users through co conception workshops, events, and conferences. This singularity ensures the creation of the most innovative products. Whether you are a sailing enthusiast or simply curious, the trebor sailing lab is open to everyone whatever your level of experience creating a safe waterproof and accessible product required us to select cutting-edge design tools and techniques and it all starts with data we gather real-time statistics from our ecosystem partners marine weather the building itself our business performance and the latest product reviews and most importantly our users a project at the trebor sailing lab starts at the fab lab where our engineers can easily start a project quick and dirty to the workshop where prototypers can innovate and test instantly the latest assembly techniques. We are extremely rigorous in the selection of our materials, tested and validated in the laboratory. We are striving to be more sustainable, expanding our use of eco conscious materials such as recycled plastics and natural fibers. To go even further in our engineering dream, we designed our own bespoke rain room, capable of simulating Force 5 storms on a real salvage boat. Here is where we test the impermeability and grip of our products in extreme conditions during long hours. This is our tester's favourite tool to try and iterate quickly, again and again, until they reach the optimal solution. And for our safety products, we have our own custom plunge pool. Our team can replicate man overboard scenarios and simulate the deployment of flotation devices as many times as necessary. Join us today to co create the products of tomorrow. Get inspired and share your vision of what sailing can become. mais aussi des gens qui avaient fait des voyages. C'était une façon intéressante de pouvoir aussi apporter une, un témoignage différent sur la, sur la navigation au large. Donc, effectivement, on va se présenter rapidement. Donc moi, je suis Thierry Seret, je suis le, le cofondateur de Code Zero. Code c'est une agence d'inspiration, c'est-à-dire que notre travail, c'est d'observer les évolutions des, des pratiques sportives, dont le nautisme. Alors, on ne travaille pas que sur le nautisme, mais on travaille beaucoup sur le nautisme, euh, sur l'outdoor, sur la montagne, enfin, l'évolution des pratiques sportives, notamment, euh, et, et vous le verrez, j'en parlerai euh, dans les premières slides, sous euh, l'évolution des... enfin, sous la... la comment dire L'influence des, des évolutions sociétales, parce que qu'évidemment, on est... Euh, on est en 2021 aujourd'hui. Le monde change. Le monde a beaucoup changé. Euh, on verra que l'imaginaire de la voile vient beaucoup des années 60-70, même avant, et que euh, la, la société a changé. Et pour quelles raisons euh, en, en quoi ça change les, les, les pratiques aujourd'hui Donc ça sera un, euh, une des, euh, comment dire, un des axes qu'on qu vous présentera aujourd'hui. Et puis je laisse. Euh, Damien Binet, présenter rapidement. Bah, alors, bonjour, bonjour à tous. Moi, je suis journaliste nautique euh, depuis 2002. J'ai fait différents magazines à, à, avant d'arriver euh, chez Voile Mag. Euh, pendant un temps, spécialiste de l'équipement. Et euh, en 2015, euh, j'ai craqué et euh, je suis parti voyager euh, effectivement pendant un an avec ma famille. On a fait un, un grand tour, euh, enfin, un tour de l'Atlantique euh, jusqu'aux Antilles, retour par retour les Açores. C'était formidable. On va détailler tout ça euh, un peu plus loin. Et bonjour à tous, euh, François-Xavier de Crécy, euh, donc moi je suis à Voile Magazine depuis euh, bientôt 20 ans, euh, comme le temps passe, et en fait c'est une histoire qui a commencé, c'est un peu différent parce que moi je suis entré à Voile Magazine euh, à l'issue d'un voyage d'un an, euh, qui était d'un autre type, parce que moi je suis parti avant de voir des enfants, ce qui est quand même plus simple, euh, et on pourra peut-être en, en parler aussi un peu tout à l'heure, mais euh, voilà, ravi d'être accueilli dans, dans cet endroit qui est complètement, euh, qui, est, qui, est vraiment, qui est vraiment magnifique. Avec beaucoup d'espace, beaucoup de lumière pour euh, pour prendre du recul, c'est parfait. On va balayer rapidement le sommaire, donc euh, mais on le verra au fur et à mesure. Donc on parlera des premiers influenceurs entre guillemets. C'est évidemment un clin d'œil. On balayera rapidement euh, les, les, les cinq les cinq dernières décades de, de la voile. On parlera d'influence sociétale. Quelles sont les nouvelles motivations, les nouveaux marins, les nouvelles offres. On détaillera, on entrera un petit peu plus dans le dans le la réalité avec. Eux. Qu'est-ce que la navigation au large aujourd'hui, avec quatre, quatre types d'expériences au large différentes euh, On abordera bah, évidemment le, rapidement le, le sujet des, des voyageurs sans bateau, parce que malgré tout, tout le monde n'a pas la chance de posséder un, un voilier. Et puis, euh, je passerai la parole à, à nos deux invités, qui nous diront bah, effectivement finalement qui répondront à la question toute, toute simple qu'est-ce que le large C'est quoi les enjeux, les enjeux du large Et qui détailleront des, des types de parcours aujourd'hui qui sont euh, qui sont des standards et en même temps des standards qui euh, qui évoluent et puis euh, et puis on finira effectivement sur un sur un retour d'expérience où ils pourront euh, un petit peu plus nous, nous raconter ce qu'ils ont vécu et puis surtout toujours dans une vision un peu euh, prospective c'est-à-dire il s'agit pas de de euh, comment dire d'expliquer euh, comment border une grand voile ou euh, ou, euh, ou comment pr préparer son bateau mais de dire ben voilà c'est comment était la navigation au large auparavant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, quelles, quelles sont les nouvelles tendances, et puis on, va, on mélangera comme ça tendance et, et, et réalité pratique. Donc le, le clin d'œil dont je vous parlais, les premiers influenceurs, qui évidemment une, une, une photo de, du grand Bernard Moitessier, c'est simplement pour prendre un petit peu de recul et de se dire que l'imaginaire du large, qui, qui, est toujours, qui est toujours actuel finalement, il, il, il date, hein, ça remonte au premier voyage d'Alain Gerbeau, et puis surtout... Moitessier qui, euh, par ses écrits, parce que c'est vachement important, euh, par, par, euh, par tous ses écrits, par tous ses livres, à partager une image très aspirationnelle du, euh, du voyage qui je trouve moi personnellement euh, est, est très actuelle parce que euh, au moment où on, on se pose encore des, des, des questions au niveau sociétal sur euh, sur la vie moderne je trouve que certaines questions soulevées par euh, comment dire par Moitessier dans les euh, dans ces années-là et qui étaient aussi des, des, des thèmes sociétaux dans les années 70 où il y avait beaucoup de questionnements par rapport à la société de consommation et tout j'ai regardé il n'y a pas longtemps une vieille vidéo du Larzac et euh, c'est impressionnant de voir à quel point les thèmes de discussion de cette époque-là, certains sont sur la productivité, sur la nature, etc., sont encore assez modernes. Donc, et puis Eric Tabarly, alors Eric Tabarly, c'était un petit peu différent parce que d'abord il était militaire et puis en plus il a été compétiteur. Donc c'est peut-être là un moment où je trouve, là aussi, c'est mes personnels, mais à l'agence on réfléchit beaucoup à ces thèmes-là, où l'imaginaire du large a été un petit peu capté, j'allais pas dire, euh, oui, capté. Pas, euh, pas plus que ça, mais capté par euh, la course au large. Alors évidemment, la, la course au large, elle est, euh, elle est magnifique, euh, mais euh, c'est devenu, devenu autre chose. Donc euh, ça, ça tournait le dos peut-être un peu à l'imaginaire de Moitessier, même si euh, Moitessier était un terrain courant au départ. Donc les, les, les influenceurs, si on les appelait comme ça aujourd'hui, après, ça a été évidemment Carcezon, euh, Perron, Desjoyeux, euh, toute cette génération de, de gens euh, qui nous ont fait rêver et qui nous font encore rêver, euh, mais qui, encore une fois, ont, ont proposé une vision du large très orientée performance, qui fait que la France aujourd'hui est un, un des centres de gravité de la, de la course au large et tant mieux. On fait même rêver les Anglais en voile, c'est quand même un, impressionnant, euh, mais qui fait que, euh, malgré tout, on sait des fois, on a un peu perdu le, le fil euh, de ce qui pouvait être aussi le, le voyage ou la navigation au large peut être un petit peu plus accessible, un petit peu plus. Euh, Humaine. Euh, Aujourd'hui, qui sont les influenceurs bah, Si on tape, et, et j'ai fait l'exercice sur, sur Google euh, savoir qui sont les influenceurs voiles, bah, on se rend compte que, finalement que les gens qui ont vraiment de l'audience ou les, vraiment, les gens qui sont vraiment euh, écoutés, c'est avant tout des skippers et des skippers de compétition. Donc euh, c'est parfait, euh, et les gabarres, etc., sont, sont des gens fabuleux. Mais encore une fois, on s'est peut-être un peu décalé par rapport euh, à ce qu'était euh, la notion de voyage euh, euh, qui a été. Euh, euh, qui a été entamé par euh, par Moitessier. Alors 70 2020, 50 ans de voile, tenais parce que c'est, on se rend pas compte à quel point euh, ces cinq décades là ont été importantes. J'ai remis une une vieille photo du CNIT pour ceux qui ont connu l'époque les, les, du, du CNIT. C'était quand même assez impressionnant, tous les, tous les bateaux, et puis après les sports de glisse à cet endroit-là. Euh, encore une fois, c'est pour réancrer, c'est pas pour dire que la voile, c'est un vieux rêve, hein, mais c'est un, un rêve qui, a, qui, qui, est, qui est toujours aussi euh, vivace et qui est toujours aussi intéressant, mais qui puise, l'imaginaire puise énormément dans les années 60-70, avec euh, euh, la société qui change beaucoup à ce moment-là. C'est l'émergence euh, de la société des loisirs. Euh, les, alors j'ai cité dans le texte, plusieurs modèles, mais ce qu'il faudrait retenir c'est euh, l'intervention de l'État à ce moment-là euh, le plan neige qui doit dater de 61 et puis la mission racine, c'est-à-dire l'intervention de l'État sur euh, presque les loisirs et une classe moyenne qui accède aux loisirs à cette époque-là euh, donc euh, ça c'est important parce que ça va, euh, ça va comment dire, euh, euh, téléguider un petit peu tout ce qui va se passer par la suite. Et puis euh, 82 000, bah, il y a les années 80, 90 et 2000, beaucoup de développement, des ports de plaisance, euh, les chantiers qui deviennent, comme Beneteau, des leaders mondiaux, et puis un développement de la voile très très important, jusqu'à, et là on brosse à gros traits, hein, on fait 50 ans en, en 3 minutes, la crise de 2008 avec un gros frein sur la consommation de loisirs nautiques, des chantiers qui souffrent, et puis beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire que dans les années 80, les, les, par exemple, les crédits immobiliers étaient sur des temps assez courts. Alors que 20 ans plus tard, les crédits immobiliers sont beaucoup plus longs. Euh, les, les, les catégories socio-professionnelles qui, qui achetaient des voiliers, c'était souvent les retraités. Et, euh, et, et il y a aussi des changements sur le thème des, des sur les, les revenus des retraites, etc. Et donc euh, il y a un fléchissement de la de la consommation de voiliers. Et puis peut-être aussi un fléchissement du euh, comment dire du rêve qui devient peut-être un peu moins accessible. Et puis aujourd'hui, 2021, euh, on, on va en parler. Euh, bah finalement, euh, tous les euh, comment dire tous les Patrons de chantier, tous les, les, les industriels de la voile sont plutôt euh, souriants en ce moment, parce que finalement, on s'aperçoit que pour tout un tas de raisons, la voile rede, redevient, euh, redevient un, rêve, euh, un rêve fort, et puis euh, on voit beaucoup de gens qui reviennent vers, le, vers les voiliers. Alors l'influence sociétale, l'accélération sociale. Bon ça c'est une, une notion qui est théorisée par pas mal de, de, de sociologues sur le fait que vous l'avez, une partie d'entre vous l'ont vécu entre les années 70 et 2020 le, le monde a accéléré. On a des vies de plus en plus de plus en plus euh, rapides. On a beaucoup plus de possibilités dans nos vies, mais on a une accélération de nos rythmes de vie, une accélération de l'innovation, une accélération des moyens de transport, une accélération des, des, euh, des changements sociaux. C'est bien, ça nous apporte beaucoup de choses, mais ça, 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 met aussi, ça nous met tous aussi sous pression, au moins dans les sociétés occidentales, et pour les gens qui peuvent en profiter. Et ça accélère, on le voit malgré tout, le besoin d'échappatoire, le besoin, notamment après les confinements, euh, on en parlera aussi rapidement, euh, de se dire. On revient vers la nature, on revient vers ce dont on a besoin, qui nous euh, des, des périodes de ralentissement, et ça a bénéficié notamment beaucoup à la. Alors j'aime pas ce terme à la consommation, mais en tout cas à euh, retour des pratiques en montagne et au retour des pratiques euh, aussi en littoral on a travaillé par exemple avec le, le Finistère. Le Finistère a cette, euh, cet été même l'été d'avant eu même des problèmes de surfréquentation. C'est-à-dire que euh, Aujourd'hui, on a tous envie d'avoir des moments de coupure et je pense que c'est un, une, une vraie opportunité aujourd'hui pour la voile. On le voit. Le télétravail, euh, bon là on est directement dans l'actualité avec ce qui s'est passé avec le, le, le confinement. Il y a beaucoup de gens, en tout cas la partie de gens, parce que c'est 15 à 20 le grand maximum, qui ont pu bénéficier du télétravail, euh, de se délocaliser. Euh, et on a vu notamment sur le marché immobilier, des villes comme Rennes, Nantes, Bordeaux, Aix-en-Provence, euh, avoir... Euh, de nouveaux arrivants, et puis euh, j'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec des acteurs du de, nautisme, que ce soit les chief ou des ou euh, chandlers ou des gens impliqués dans les marques, on s'aperçoit que les gens qui se délocalise, entre guillemets, ou qui se relocalisent en région, bah, finalement, reviennent à la voile, reconsomment, euh, rééquipent leur bateau, parce que de nouveau, ils ont plus de temps euh, en, en région, alors qu'avant, c'était des gens qui étaient euh, éloignés. Donc, il y, y a vraiment un questionnement de la société, des choix nouveaux, et puis, des, des euh, on va dire ce que j'appellerais, euh, là aussi c'est une boutade, une, une relocalisation des gens. Euh, le temps libre, alors ça c'est euh, des chiffres, euh, une partie de ces chiffres viennent de la Fondation Jean Jaurès et d'un euh, travail mené par Jean Viard, qui est un sociologue qui est assez connu, vous l'avez peut-être entendu à, à la télé parfois, c'est un des rares sociologues qui parle euh, normalement, on va dire, enfin qui n'a pas un langage trop, trop compliqué. Il euh, y a un gap terrible entre, alors c'est sur 100 ans, hein, mais sur la durée de vie, cest enfin la durée de vie, notre, notre durée de vie à nous hein, en tant qu'humains euh, mortels, qui, qui, qui équivaut à peu près, qui était estimé à 500 000 heures en 1900, et aujourd'hui on vit 700 000 heures, c'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, et le temps libre, le temps, le temps qu'on a, si on euh, c'est des calculs avec le temps de travail, le temps d'éducation, le temps de sommeil, etc. On a quatre fois plus de temps libre euh, que notre ancêtre qui, était, euh, qui vivait en, 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 en 1900. Donc aujourd'hui, ce temps libre, il est disponible pour le loisir, pour la voile, euh, pour tout un tas de choses, et c'est plutôt bien. Par contre, les temps ont changé. L'accélération sociale, notre volonté à tous de vouloir profiter d'un maximum de choses, fait que ce temps libre est plus fragmenté. Donc c'est aussi un problème pour des pratiques comme le large, parce que c'est des pratiques qui sont, euh, comment dire, consommateurs d'un certain engagement de temps dans la, dans la durée. Et euh, juste avant euh, cet après-midi, je, je préparais une autre euh, conférence qui a un thème un peu comparable, mais qui lieu, euh, qui tient, euh, comment dire, dans le sujet, sera les pratiques en montagne et cette fragmentation euh, de, de, des pratiques des gens qui veulent Exploiter au mieux leur temps libre fait que là aussi, il y a beaucoup de parallèles entre les pratiques en montagne et les pratiques en, 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 en littoral. Euh, bah, finalement, il euh, y, y a des plus, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs parce que les pratiques longues, comme les pratiques au large, peuvent euh, souffrir de ça parce que les gens veulent, veulent tout à la fois. Le regard sur la planète. Alors je suis désolé, c'est la seule euh, comment dire slide un peu anxiogène. Euh, euh, c'est important parce qu'aujourd'hui on peut pas, quand on fait de la prospective ou qu'on qu parle d'évolution de, de pratiques, on peut pas euh, imaginer ne pas parler de la, de la planète. Alors évidemment, on a tous vu que euh, en 2018, parce que euh, l'environnement. Euh, Comment dire polémique, Victor. On parlait déjà dans les années 60, hein, donc c'est pas nouveau. Il y a beaucoup de gens qui parlaient de euh, même dans les années, même dans le siècle précédent. David euh, taureau euh, des gens qui alertaient sur l'industrialisation et ses dangers. Donc le regard sur la planète et la question environnementale date pas d'hier. Mais depuis deux, trois ans et on va dire grosso modo l'élévation des températures, euh, il y a une prise de conscience plus générale des gens, c'est-à-dire vous, nous, moi et euh, et puis des marques aussi. Donc, euh, ce n'est pas pour autant qu'on a sauvé la planète, mais en tout cas, euh, ça, ça change les comportements. Ça peut euh, favoriser certains et puis en altérer d'autres. On voit, pour en venir à la montagne, que dans les pratiques de montagne, le manque de neige, les glaciers qui fondent et tout, euh, changent la donne. Euh, ça pourra changer la donne aussi dans la, dans la, dans la, dans la pratique de la voile, euh, avec la pollution des océans, avec les. les comment dire les séquences météorologiques beaucoup plus compliquées. Donc c'est c'est forcément des éléments qui euh, influent sur sur euh, la prospective et comment on, on, comment on, comment dire on pratiquera demain. Euh, ça pourra effectivement aussi euh, euh, influencer. Euh, je pense je pense la pratique du large et ils en parleront mieux que moi la pratique du grand voyage parce que finalement on en revient tous aussi à se poser des questions de notre rapport à la, à la planète et là euh, le rêve le rêve que que, que véhiculait moi, tessier, euh, il est encore complètement entier, c'est-à-dire s'échapper de la société qui accélère, dont je vous parlais tout à l'heure, s'échapper d'une société où il y a beaucoup de productivité, beaucoup de pollution, et puis se poser des questions sur, sur nos sociétés et nos vies. Et c'était des questionnements qui étaient, je vous le disais tout à l'heure, déjà présents dans les années 70. Bah, ils sont encore plus présents aujourd'hui. Et peut-être que demain, il y aura plus de gens qui voudront. C'est un peu ce qu'on observe aujourd'hui, qui voudront prendre un voilier et puis s'en aller, parce que ça reste quand même un rêve extraordinaire. Alors, les nouvelles motivations, ben, j'ai mis une point d'interrogation parce que finalement, on en parlait ensemble en préparant la, la conférence, elles ont finalement pas beaucoup changé, c'est-à-dire euh, vivre pleinement une passion, parce que la voile, c'est une passion extraordinaire, s'échapper, faire une, une coupure, découvrir le monde, euh, retrouver du sens, là je fais de la lecture parce que c'est euh, ça, porter un projet de voyage avec les enfants, on voit effectivement qu'il y a des gens qui partent sans les enfants et il y a des gens qui partent avec. Et euh, on voit, et, et Damien vous en parlera, euh, de nouveau des, des projets de voyage avec une, une dimension euh, écologique. En tout cas, il euh, ne faut pas se leurrer, hein, ce n'est pas parce que vous allez partir en voyage autour du monde que vous allez sauver la planète. En tout cas, il euh, y a une volonté sans doute de se reconnecter euh, à quelque chose de plus authentique et, euh, et, de, et, de, et de sortir un peu de, de s'extraire du monde. Après. Euh, c'est aussi une question qui, qui vient, c'est pour ça que j'ai mis la dernière ligne. Habiter à bord demain, c'est est-ce euh, que demain, quand on se posera les questions sur euh, habiter en ville, les confinements, les, euh, les pandémies, etc., tout, 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 toutes les, euh, comment dire, toutes les, les questionnements dont, dont la presse s'est saisie pendant les deux dernières années, là, euh, après les confinements, après la pandémie, après les questionnements climatiques, c'est est-ce que demain il n'y aura pas de nouveau des gens qui voudront habiter euh, à bord des voiliers C'est euh, des réelles questions. Euh, euh, c'est pas anecdotique. Alors les nouveaux marins, ben oui, il y a d'autres générations. C'est pour ça que j'en ai été revenu à à Tavarly, -et à etc. Euh, dans la slide du début, parce que faut bien se rendre compte. Et je crois que c'est Michel Serre qui disait ça, le, le philosophe qui nous a quittés il y a quelques années, c'est que quand on a aujourd'hui 40, 50, 60 ans ou plus, on ne se rend pas compte, il faut vraiment se le dire et se le répéter, à quel point les jeunes, euh, ceux qui ont 15, 20, 25, voient un monde qui est totalement différent. C'est-à-dire que nos références à nous, on a toujours l'impression qu'elles sont toujours un peu valables. Aujourd'hui, ceux qui arrivent, et notamment euh, presque les 15-20, avec la vision euh, qu'ils ont eue de la pandémie, euh, euh, de la crise climatique et tout, je peux vous garantir qu'ils ont. C'est décapant quand on fait des, euh, des entretiens avec des, des jeunes, euh, à quel point ils voient le monde autrement. Donc, euh, même si ce pas les gamins de 15 ans qui vont partir en, en voyage, ceux qui ont 25, 30 ans aujourd'hui, ou entre 20 et 30, voient un monde différent. Donc, il y a moins de freins au départ, en tout cas. Il y a une volonté de partir, ça c'est évident, même si elle s'assoit sur des motivations différentes. Il y a moins de freins au départ. Euh, c'est. Euh, c'est Damien et François Xavier qui, avec qui euh, euh, je préparais ça qui nous disaient au départ. C'est-à-dire qu'effectivement, les voiliers aujourd'hui ont extraordinairement euh, euh, évolué. Il y a du matériel plus performant, des données météorologiques plus fiables. Assistance électronique, enfin, il y a un ensemble de choses qui font que partir aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Euh, D'abord, dans les années 70 ou 80, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, il y a un partage de l'information qui est extraordinaire. Euh, il y a beaucoup plus de données et, et ça, c'est un, un point vraiment euh, important. Alors, on avait aussi, euh, en préparant ça, des discussions à, à propos de l'électronique et de la sophistication des voiliers. Euh, il y a aussi un mouvement euh, qui sera peut-être euh, futur qui de dire, euh, ok, euh, on veut sauver la planète, on veut consommer moins, mais alors si on part en voilier, on veut avoir de l'électronique, des écrans partout et, euh, et euh, quelque chose d'hyper sophistiqué. Il, euh, il commence à y avoir des gens qui euh, commencent à comment dire, à envisager la voile de façon beaucoup plus rudimentaire que ça. Donc, est-ce que, est que dans l'avenir, il y aura pas aussi des gens qui font de la voile euh, une, une réflexion sur ça Comment je pars en voilier et euh, comment je consomme pas euh, euh, trop d'électronique ou que je, je ne consomme pas de, énormément de bandes passantes sur Internet, etc. Parce qu'effectivement, euh, c'est aussi un vrai sujet. Il y a, euh, je les ai pas cités dans les influenceurs, mais il y a des gens comme Corentin de châtel euh, si vous en avez entendu parler, qui parle beaucoup de low-tech. Euh, il, il y a des influenceurs aussi comme, enfin, euh, même si c'est à mes yeux, pas vraiment des influenceurs euh, au sens péjoratif du terme, mais des aventuriers comme Corentin de Châtelperron ou, ou, ou Guiriec, euh, Soudé, qui euh, montrent aussi une image de la voile à l'inverse de la course au large, tout carbone avec des budgets extraordinairement élevés et des, et des consommations et des impacts carbone extraordinairement élevés aussi, euh, qui montre une image de la voile qui en revient fi finalement, ah, Peut-être ce que faisait Tessier au départ, c'est-à-dire peu de matériel, des bateaux plus petits et, euh, et une trace sur la planète euh, moins importante. Et il euh, y a beaucoup de tendances. Il y a, enfin, dans la tendance, il y a beaucoup de refit dans les bateaux. C'est pas forcément reconsommer du bateau ultra moderne. Il y en a, mais il y a aussi des gens qui, qui, re, qui re, reconstruisent des vieux bateaux et partent à l'aventure avec, euh, avec des bateaux anciens. Nouvelle tendance et nouvelle offre. Bon. J'en ai déjà cité certaines. C'est évident que dans, les, dans la navigation au large, il y, a, il y a des routes toutes tracées, on en parlera, des routes qui se réinventent, mais il y a aussi des destinations différentes. Il y a quelques années, c'était dans le domaine des sports de glisse, pas uniquement dans le, dans le domaine de la voile, mais Lufthansa, qui avait fait un partenariat avec un, un photographe très connu, Chris Burkhard, et c'était en, en lien avec les... Les, nouvelles, les nouveaux imaginaires du surf notamment. Le surf a, a porté des imaginaires de, de voyage à Bali, euh, enfin dans des endroits chauds. Et aujourd'hui, les imaginaires de voyage en surf sont dans des endroits comme l'Alaska et, et, euh, et des endroits beaucoup plus froids. Et, euh, et on, dans, là, là aussi, dans la, dans la prospective, il y a un courant euh, de travail qui, qui, euh, qui est le suivant, qui est de dire, est-ce que l'exotisme de demain... L'exotisme des pays chauds, qui était un, un exotisme d'après-guerre presque préfabriqué, est-ce que l'exotisme de demain, ça ne sera pas les destinations froides euh, Et euh, en voile, on commence à avoir des voyages euh, mixtes aussi. On en parlera, des voyages mixtes euh, voile-ski, euh, voile exploration, euh, voile glisse, etc., qui vont euh, dans des destinations beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, froides, enfin avec un vrai, euh, un vrai changement de, de paradigme. Euh, dans les nouvelles tendances, il y a c'est dans la suite logique de ce que je vous disais aussi, il y a de l'accompagnement personnalisé, il y a beaucoup plus de comment dire, beaucoup plus de services euh, qui sont disponibles pour les nouveaux, euh, pour les nouveaux euh, partants. Donc, euh, c'est euh, dans les nouvelles tendances, il n'y a pas uniquement les, les grandes routes euh, qui ont été euh, refaites et que chacun a envie de faire, mais il y a sans doute beaucoup plus de modularité dans les, euh, dans les pratiques. Et puis il y a aussi euh, des gens qui partent avec un objectif, c'est-à-dire que maintenant on s'aperçoit, c'est pas que la voile ne se suffit pas à elle-même, mais euh, dans cette volonté aussi de de vouloir tout faire et de vouloir combiner les pratiques. Il y a beaucoup de, de, de voyages ou de voyageurs qui se font sur des thèmes ben, voile plus grimpe, voile plus plongée, voile plus glisse. Euh, et ça, c'est une vraie tendance. C'est-à-dire, on part, on part dans les Caraïbes où on loue un bateau dans les Caraïbes et puis on va faire du kite ou on va faire du surf. Ou alors, on part dans des voyages euh, à, à long terme avec du matériel pour faire une activité supplémentaire. Et le voilier, là, est, un, est presque un véhicule, un beau véhicule, mais un véhicule pour, pour réaliser. Quatre expériences au large, donc je vais aller euh, rapide là-dessus. C'est euh, grosso modo les, 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 les quatre expériences différentes euh, qu'on pourrait présenter à des gens qui n'ont pas forcément fait le large. Ça commence par la traversée euh, Conquil en Corse ou la Transgascogne ou la Transmanche, Donc là, c'est euh, presque un premier pas. Je crois que François-Xavier vous en parlera tout à l'heure. C'est un peu là où on, ce genre de parcours qu'on apprend. Il y, a, il y a sans doute des, euh, des petites traversées, des parcours à découvrir, euh, et des, et des euh, comment dire, des destinations comme la Sardaigne, et l'Italie, qui ne sont pas forcément euh, les plus euh, les plus pratiquées. Alors qu'il y a d'autres destinations comme la Croatie et tout qui commencent à être saturées. La saturation des la saturation des lieux deviendra un vrai sujet dans la navigation au large. Il y a ce que nous on a appelé chez Code Zero le, le voyage d'été, c'est-à-dire soit c'est des propriétaires qui partent deux ou trois semaines euh, le voyage classique en Méditerranée, ou ou maintenant ça se fait beaucoup dans les îles du Nord. Euh, ça peut être des gens aussi qui louent des voiliers, mais c'est ce que je, je viens de dire. L'un des, euh, des sujets, ça sera la saturation de, de, de destinations trop vendues. Donc là, il y, aura, il y aura du boulot pour les explorateurs. Ce qu'on a appelé aussi la location exotique, là, c'est plus consommé par des gens qui veulent... Euh, qui ont des moyens ou qui se regroupent, et ça, ça, ça augmente. Il y a Dream yacht Charter ou des, ou des sociétés comme ça qui ont, qui ont bâti leur succès sur, sur ce besoin. Ce n'est pas forcément des besoins de grands navigateurs, d'ailleurs, mais c'est des besoins de gens qui, qui aiment la voile et qui veulent être, être sur l'eau. Donc ça, c'est important. Il faut aussi s'adresser à des gens qui... C'était un peu le tort de la voile auparavant, c'est cet effet de caste qui, qui faisait que si vous n'étiez pas un spécialiste, vous étiez un peu, un peu comme un pestiféré. Aujourd'hui, il faut... Il y, y a des gens qui s'y connaissent pas et qui veulent euh, être sur l'eau. Il faut il faut savoir leur offrir euh, quelque chose. Alors quand il quand on fait de la prospective, on peut se poser des questions sur sur la location exotique. C'est euh, on, on voit que le transport aérien euh, euh, marche très bien hein, finalement parce qu'il redémarre et il euh, les, 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 y, y a beaucoup de comment dire de euh, projection sur euh, une grosse consommation du transport aérien, mais les habitudes changeront peut-être, donc euh, la location exotique diminuera peut-être. Et puis le grand voyage dont on parlera, c'est-à-dire le grand voyage chez la transatlantique, voire plus loin, là, euh, la tendance, elle est plutôt, euh, peut-être pas au redémarrage, parce qu'il n'y a pas de chiffres là-dessus, mais en tout cas, le, le rêve de faire une grande traversée, il est toujours aussi, euh, il est toujours aussi fort. Le thème du voyageur sans bateau, ben ça, euh, on en parlait euh, à, à, à l'attention des gens de, de tribord, dont le métier est de s'adresser euh, aux, comment dire, aux gens qui naviguent et de leur offrir des services ou de leur offrir des solutions. Ben, il y a quand même un maximum de gens qui aiment la voile. Enfin, la partie des gens qui aiment la voile et qui ne sont pas des propriétaires est quand même hyper importante. Alors le voyageur sans bateau, avant, il avait des bourses aux équipiers, euh, il avait sans doute quand même des solutions. Euh, Aujourd'hui, euh, la tendance, c'est qu'il a beaucoup plus de services à son euh, à sa disposition. L'avant-dernière conférence d'ailleurs était euh, sur la co-navigation avec Clément Rouge de, de, euh, de Vogue avec moi. Donc les plateformes de co-navigation, euh, les accompagnements spécialisés, l'information qui circule. Euh, là, il y a la tendance est quand même à l'amélioration des, des moyens à disposition pour ceux qui voudraient éventuellement se lancer dans, dans la navigation au large et pas forcément le grand voyage, mais pour, euh, pour pouvoir arriver à, à trouver un embarquement. Je vais laisser euh, la place à mes, à, mes, à mes deux collègues qui sont des, des grands spécialistes et qui ont plein de choses à vous dire. Et avant d'enchaîner, de, je vais juste rebondir sur une partie de ton, ton propos, euh, bah notamment Moiteussier, et que je trouve très actuel, parce que, euh, et ça, pour moi, il y a un reflet de Moiteussier, ça peut être Corentin de châtel justement. Mm -hmm. Et c'est des, des gens qui montrent qu'on peut aller très, en, en, en voile, on peut, on peut aller très loin avec très peu. Et. Euh, et ça, là, ici à La Rochelle, vous allez faire un tour sur le port. Euh, vous verrez que les bateaux les plus, les plus compliqués, les plus chers et les plus prestigieux ne sont pas forcément ceux qui naviguent le plus et qui vont le plus loin. Et ça, c'est assez, assez actuel, en fait. On peut, euh, ça, ça, ça se vérifie souvent. Oui, tout à fait. Moi, c'est, je, je suis un grand admirateur de ce qui se passe en course au large, mais je, je fais partie de ceux qui sont repérés comme un, un des critiques de la course au large. Euh, je, je trouve que ce qui se passe en France euh, au niveau de la course au large est, est fabuleux. Les grands trimarans, euh, les courses transocéaniques, les imoca, tout ça, c'est passionnant. Euh, mais en même temps, ça, ça a presque, ça a capté, ça a même kidnappé, je trouve, l'image de la navigation. Et, euh, et on a l'impression que si on fait pas le tour du monde en 40 jours, enfin, j'exagère, mais, je mais pense que, que... l'image, c'est euh, la haute technologie et la et performance, et que finalement, je, je trouve que Moët redevient presque moderne dans le sens où euh... je pense que c'est les deux piliers de la voile en France, et Moët et à Barly, limite cerveau gauche, cerveau droit, le ouais. Larzac et la Marine Nationale, tu vois, c'est y a de ça. Ça va, ça, ça peut aller. Je te laisse au milieu. Non, je peux rester. Si si, 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 si je, je veux. Je veux. <laughs> Bah, euh, Rebonjour. Quand tu nous as dit qu'on allait parler du large, la première question qu'on s'est posée, c'est effectivement qu'est-ce que le large on, on voulait le définir. Le large, il arrive très vite. Euh, c'est dès qu'on perd la côte de vue, quelque part. Dès qu'on perd nos repères, euh, dès qu'il va falloir trouver d'autres moyens pour trouver son cap, trouver sa destination. Euh, c'est ça. On entre un peu dans un autre référentiel. Et c'est, il y a beaucoup de notions, dans le large seulement, il y a beaucoup de notions moins d'espace que de temps. Euh, c'est qu'on on passe une nuit en mer. Euh, pour moi, on entre large. À la limite, on peut faire La Rochelle, euh, La Rochelle, Belle-Île, retour. On aura plus ou moins longé la côte, mais c'est une expérience souterrière, quoi. Parce que parce qu'il y a ce temps, on rentre dans le, dans le rythme du bateau, euh, dans le rythme aussi de bah, la nuit. Oui, Plusieurs plusieurs suivre. plusieurs heures euh, sans. Alors et puis euh, ça va être euh, de l'observation, euh, surveiller un peu les bateaux qu'on croise, euh, organiser le propre temps de l'équipage, euh, savoir euh, qui va veiller euh, quand, euh, se préparer, préparer à manger en mer, tout ça, ça va faire partie de, de, de l'expérience du large. Euh, ça part en, en, en fin, une grande part de, du large se prépare presque en amont dans la préparation. C'est là où on peut passer sur les enjeux où, euh, où effectivement euh, euh, il, il va falloir anticiper euh, pas mal de choses. Alors, on peut l'anticiper par des stages, on peut l'anticiper par de l'équipement. Euh, on, on va aussi l'anticiper tout simplement en faisant l'avitaillement ou le repas qui permettra à l'équipage de ne pas tomber malade dans les premières heures. Parce que c'est dans les premières heures que finalement on va se décider la qualité de la navigation qui va, qui va découler. En fait, au large, il y a une notion d'engagement. De, si on fait le parallèle avec la montagne, en montagne, on dit qu'on est des passages qui sont engagés parce qu'il n'y a pas de marche arrière possible, parce que c'est parce que le moment de. De faire attention à ce qu'on fait, tout simplement. Il euh, y a un peu de ça au large aussi, quoi. On... Ouais. Notion d'engagement. De, Alors, après, là, sur la, sur la slide, on parlait des secours à 48 heures, parce qu'il faut aussi dédramatiser. On, on a beau être au large, les secours, finalement, sont jamais très loin. Et euh, on en parlera quand on parlera des transatlantiques. Mais euh, en, quand on fait une transatlantique, aujourd'hui, grâce à, aux équipements électroniques. On balise. On a les balises, on a des téléphones satellites. Il y a toujours à Toulouse euh, un centre médical dédié euh, à la plaisance et aux marins qui euh, répond 24 heures sur 24. C'est le SAMU, en fait, hein, qui, est, qui est derrière. On a un médecin en ligne et on se rend compte, en tout cas pour ce qui est des traversées euh, des transatlantiques, qu'il y, euh, y a toujours des cargos euh, à, à porter. Et souvent, les secours sont à 48 heures, peut-être 72 heures, mais euh, on est très vite euh, assisté. Euh, donc, il faut dédramatiser aussi le large. Et par ailleurs, on dit souvent que le danger est à la côte et ça se vérifie énormément. Ouais. Euh, au large, euh, voilà, on peut avoir des soucis physiques, on peut avoir un problème de voie d'eau. il y a les cargos, voilà, c'est des le, grands trucs. Mais sinon, toutes les, tout ce qui est lié à la, à la côte euh, n'est pas, pas un souci par non. définition. Exactement. Alors, où est-ce qu'on navigue bah alors oui, naviguer au large, c'est aussi aller quelque part. Et ça, euh, si on parle de ce qui se passait de l'époque de Moitessier et de la nôtre, euh, on vit pas dans le même monde. Euh, ne serait-ce qu'il y a encore euh, 20 ans, quand on allait aux Antilles, euh, on allait souvent, on allait souvent par exemple sur la côte du Venezuela. Euh, aujourd'hui, on ne on le fait plus parce que pour des raisons de sécurité, quoi. Ouais, c'est plus possible, ça devient... Il y a plein de destinations qui sont un peu fermées. Même le Brésil aujourd'hui, c'est quand même un peu, ça peut être un peu compliqué. Même voilà. Euh, donc, euh... Mais en, en restant en, sans, sans aller si loin, euh, on a dit que le large, il était juste à côté de chez nous. Et effectivement, euh, la France, on a la chance d'avoir quand même accès à, à deux mers, un océan, mm -hmm. là, je ne me trompe pas, peut-être euh, trois mers, vient du nord, Manche, on <laughs> équipé, <en fait. rire> et on est bien mm -hmm. équipés. Et, euh, et, et donc, euh, on peut commencer euh, déjà à, à vivre des expériences assez incroyables, juste en quittant euh, nos côtes pour aller juste en face. La Transmanche est le meilleur exemple. Il y a aussi euh, les, les traversées pour aller jusqu'en Méditerranée ou euh, simplement traverser le golfe du Lion euh, pour partir de Marseille et euh, aller en Espagne. Ça fait, c'est des petites traversées, mais où on va rencontrer déjà toutes les difficultés. Ils sont et, très denses. Et ouais, voilà. Et euh, de mmh, la mmh, mmh. du large. Donc, on, on, je vais oh, je vais le redire, c'est la veille, c'est la veille aux pêcheurs, mais ça va être aussi la météo, les courants euh, et l'administratif. Aujourd'hui, euh, il y a pas mal de frontières. Euh, qui ont changé, notamment quand on fait la transmanche. Bah, il faut ouais. refaire des papiers quand on arrive en face. Ça fait partie de l'exotisme aussi. Quoi. Pour moi, la manche, c'est le, le concentré. On, on disait que c'est l'académie du large parce qu'il y a toutes les, toutes les difficultés sont là. Euh, un gros courant à négocier. Bon, alors quand on traverse, on prend de un sens dans l'autre. Bon, sur une traversée, ça s'annule à peu près. Mais il y a les rails des cargos. Ça, c'est quand même, on traverse l'autoroute, on regarde à gauche, puis on regarde à droite. Mais c'est euh, quand même, c'est jamais, euh, jamais des moments simples. Il euh, y a une météo qui peut être super changeante et en plus à l'arrivée maintenant on fait des papiers, c'est très devenu hyper exotique euh, le Royaume-Uni. <laughs> euh, donc pour moi c'est vraiment la Manche, c'est l'expérience finalement la plus complète sur euh, sur une traversée de bon selon d'où on part de euh, de 24 ou 48 heures, mais euh, et puis voilà c'est une super belle navigation. Parce que quand on quand on a préparé euh, dans les semaines précédentes la la conférence, on essayait de se dire, ben voilà, quel, quel contenu on peut aborder, c'est quoi les tendances, euh, revenir à l'imaginaire du large des années 70 quand ça a commencé vraiment à, à démarrer, et puis on essayait aussi de se dire, qu'est-ce qu'on peut apporter aux gens. On savait bien que dans l'assistance, il y aurait des gens qui, a, qui, qui ont déjà navigué, et qu'est-ce qu'on pouvait dire à ceux qui n'ont pas encore navigué et qui veulent se lancer, et, et quels sont finalement le changement sur les 50 dernières années, parce que l'imaginaire du large, il existe. Alors, il remonte à avant, évidemment, mais on s'était centré sur une période de 50 ans. Et qu'est-ce qui a changé Donc, effectivement, les imaginaires euh, et puis euh, des destinations qui sont fermées, comme ils viennent de le dire. Et puis, euh, et puis, parfois, des nouvelles aventures et des nouvelles routes à tracer. Et puis, la réalité aussi du sujet, qui est euh, de dire quand on n'a pas… Moi, j'ai eu la chance de souvent naviguer, mais plutôt en régate. Et euh, finalement, peu au large, ou en tout cas entouré, je pense pour mon cas personnel, parce que je ne suis, suis pas un marin aguerri comme eux, mais… Euh, 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 pas forcément avec la responsabilité d'un bateau. Et finalement, quand on se dit, euh, tiens, finalement, si moi, demain, je devais être euh, au, au, au large, euh, enfin, ça, ça m'est déjà arrivé, ceci dit, en, en continent corse, sous 45 nœuds ou au large, euh, en pleine Atlantique, qu'est-ce qui change finalement, euh, euh, pas uniquement sur le plan technique, mais sur le plan euh, émotionnel et sur le plan psychologique Parce que finalement, c'est ça aussi, quoi. Physiologique, c'est hyper physique, enfin. Oui. Euh, c'est pas anodin, je trouve, d'être en, en mer. Euh... On disait tout à l'heure, en régulant ton corps change. Mais c'est un peu ça. Euh, dans le, on, on, le corps s'adapte, je pense, à la vie en mer, ou pas, ce qui peut être un problème euh, de mal de mer, du coup. Euh, mais c'est une expérience euh, qui est très, bah, qui est très engageante, effectivement. Ouais, c'est bah, pas rien quand même. C'est pas rien. Hein Après, aujourd'hui, on, aujourd on s'y prépare euh, aussi plus facilement. Euh, si on revient sur ces transmanches et, et ces transméditerranées, euh, la météo est assez facilement. Euh, Identifiable et on, on peut euh, pas garantir une traversée, euh, les conditions de la traversée, mais on, on peut se préserver du pire en tout cas. Ce qui était en effet pas le cas il euh, y, y, y a 50 ans. C'était c'était quand même un peu plus complexe. Tu as les slides ouais. de slide, En fait, il y a des nouveaux, il y a des, des nouvelles difficultés qui sont apparues, des règlements climatiques, les gens qui font des transats aujourd'hui euh, galèrent pas mal avec les sargasses et des, des énormes. Euh, nappes de, de, de sargasses, d'algues de, de, très, très denses. Euh, mais il y a aussi de nouveaux outils. Alors Il y a même maintenant donc, des, des sites qui, qui font circuler des, des photos satellites qui situent les, les, les nappes de sargasses pour les éviter. Bon, des outils météo, on le disait très fin. Euh... Oui, notamment alors là, c'est si on revient sur la Transmanche ou la Transgascogne, c'est pareil. Euh, c'est les phénomènes météo qui arrivent de l'autre côté de l'Atlantique. Donc on voit venir euh, assez facilement euh, y compris visuellement maintenant, avec des outils, je ne sais pas si on peut les citer, mais il y a des Weather 4D et choses comme ça. Il y a des grilles animées qui aujourd'hui vont rendre la lecture d'une carte isobarique telle qu'on la voit là, qui était peut-être plus complexe. elle reste indispensable ces cartes. Il faut savoir les appréhender et les comprendre. En Méditerranée, ça peut être plus touchy. En Méditerranée, c'est un peu plus compliqué. Les phénomènes sont plus soudains. Il n'y a pas de vent ou il y a trop de vent. Voilà. C'est à peu près, euh, près Est-ce que l'accès voilà. à l'information météo, c'est parce qu'il qui a de plus changé ces, 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 Ah, bah dernières si, d'ailleurs, bah on avait un, un ancien à la qui le disait beaucoup que, que la, la météo a tout changé, euh, la météo et, euh, et le GPS évidemment. Attention à ne pas trop être collé sur les écrans aussi, sur les fichiers gris ouais. De temps en temps, il euh, y a un cumulonimbus qui nous annonce bien mieux la situation que l'écran euh, qu'on a sous. Euh. Mais de en savoir de... ce qui va se passer en gros dans les prochaines 24-48 heures, oui, ça change beaucoup de choses. Traverser la Méditerranée, c'est à peu près ce qu'on vous disait. Soit il soit y, y a des situations de marée barométrique où du coup on n'a pas beaucoup de vent. La traversée euh, continent corse se fait le plus régulièrement euh, au moteur. Hein, c'est ce que j'ai fait au printemps dernier euh, dans le cadre d'un article, d'un reportage qu'on faisait. Au final, euh, on, on pensait avoir une cartouche. Euh, ça a ça, est, ça, elle n'est pas du tout venue et, et on a tout fait au moteur. C'est la plupart. Euh, L'inverse euh, qui se produire. L'inverse peut se produire. Ouais, tout à fait. Euh, trans Gascogne, euh, c'est euh, là aussi une grosse expérience du large parce qu'on va rencontrer une, une houle qui, euh, qui, parfois, on parlait du mal de mer, qui, qui peut être tenace, qui peut être un peu compliqué pour, pour l'équipage. Donc, euh, mais pareil, ça va être des phénomènes euh, météo en vent et en houle, qui sont assez prévisibles. On peut, on, on peut les anticiper. Euh, là, on, on a mis des exemples. Je ne sais pas, tu as un, une expérience à partager euh, Sur le Gascogne, bah, non. Oh, bah, parce que, un peu, euh... bah, les gens qui partent en tour de l'Atlantique et qui partent de Bretagne, c'est souvent, euh, souvent un peu l'épreuve initiatique. Hein. Ils sont assaisonnés. Faut, il pour... faut dégolfer, comme on dit, et ça peut être un peu dur pour les estomacs. Il y a des gens qui ont... On laissait tout tomber au Portugal. Après des années de préparation, on a, ça, ça a pu se produire. Donc, euh, c'est important de partir dans de bonnes conditions, bien reposé, d'avoir cuisiné à l'avance, euh, d'avoir de se connaître un peu, d'avoir les médicaments qui vont bien si, si on en a besoin, etc. Ouais, parce mmh. qu'on dit que la Méditerranée est un mauvais caractère, mais le Golfe de Gascogne, c'est quand, quand, euh, oui. quand, quand on la fait à la voile, c'est. Euh, le, bon ouais, ouais. le, le le bon conseil quand on part au large pour éviter ce, ce mal de mer qui peut quand même euh, créer des angoisses avant et beaucoup de skippers le disent, c'est en gros, on fait une petite navigation de deux heures, mmh. on, a, on se choisit une destination avec un mouillage au bout, on ne on retourne pas dans, un, dans une autre escale ou dans un autre port abrité, non, on va dans un mouillage protégé, euh, on se fait un petit repas, une petite sieste, et après on repart pour la grande navigation. Ou une nuit au mouillage. Mais ou une mouillage. Se donner le, la possibilité de, s de mariner en douceur, en fait. mmh. de ne pas être tout de suite dans le dur, parce que là, ça peut durer longtemps. Et, euh, et moi, j'ajouterais un truc, Bon, alors les trucs habituels, on les connaît, pas avoir froid, pas avoir soif, etc. Et je pense qu'il faut, qu faut se reposer avant d'être fatigué, avant d'être réellement fatigué. Euh, en croisière, on peut le faire, en course, ils ne peuvent pas trop. Euh, à mon avis, c'est une des clés. Euh, dès que le petit coup de barre, tout de suite, euh, deux heures le... de sieste. C'est le euh... rapport au temps aussi qu'on va avoir, effectivement, dès qu'on prend euh, la mer pour quelques jours. C'est que tout d'un coup, on, on laisse tomber euh, le, le planning, on laisse tomber euh, la montre. Alors, quand on est en équipage, on respecte quand même un... un... Un certain ordre mais euh, mais il faut effectivement savoir s'écouter on a faim on mange on a envie de dormir on dort on réveille le, le, le camarade pour qu'il aille prendre la veille à la place et, on, et on écoute son corps important. différemment ça revient ouais. à ce qu'on disait tout à l'heure euh, on a on, on, on s'est plongé dans cette expérience du large et, euh, et après il faut il faut gérer il faut s'écouter j'ai une question moi, à, à vous deux là qui, qui avait en plus de par votre fonction la chance de, de finalement sur les, les 10 ou 20 dernières années euh, Essayer en plus régulièrement des voiliers. Euh, Qu'est-ce qu'elle le plus changé dans les bateaux et dans l'équipement, enfin, je vais dire voilier agrément, pas euh, pas du tout euh, électronique. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle le plus changé qui a changé finalement l'expérience du large? Voilà. Je, moi, je Donc, dirais que les bateaux vont plus vite déjà. Là, les, les moyennes. Alors, ils vont pas plus vite en instantané, pas forcément, mais les moyennes on tient, On va tenir des moyennes beaucoup plus élevées. Euh, ils sont moins physiques. Si on compare un bateau des années 70, euh, mmh. ça, va, ça va être des bateaux avec des, avec des gréements parfois plus, plus physiques, j'ai l'impression. Hein. Ils sont euh, aussi oui. plus confortables dans le sens où ils ont moins de problèmes d'étanchéité, euh, des panneaux de pont, etc. Souvent, on a des bateaux plus larges euh, où on va euh, réguler différemment la, la voilure, qui vont peut-être giter un peu moins euh, pour Et les quoi, bateaux tu dis de troisième. Moins physique, on, veut, on a souvent les moyens d'envoyer une, une voile d'avant, un SPI ou un code zéro, euh, plus facilement, chaussettes, magazineur, etc. Tout est prévu pour naviguer en équipage réduit à, à deux ou trois, euh, même sur des assez grands bateaux, euh, sans se faire mal. Et là, c'est sans parler des assistances de winch électrique ou de ouais. ou des choses comme ça. Il y a aussi, euh, le, alors si on parle d'assistance, il y a les pilotes qui ont quand même, qui aujourd'hui sont ultra fiables, qui barrent presque mieux que les skippers, en tout cas ils barrent mieux que moi, et, euh, et sur lesquels on peut complètement se reposer. Euh, aujourd'hui, euh, mm. il y a du gros temps, on est au large, on va confier la barre aux pilotes euh, une fois qu'on qu a mis la bonne configuration de voile et juste assurer une veille visuelle. Ouais, c'est des choses qui les pilotes, les bons pilotes ont une fiabilité. Euh... Ouais. Bah ça C'est des trucs qui ont vachement évolué avec des épreuves comme la, la Transquadra, bon, la course au large en général, ou la course, on va dire, euh, pro-amateur comme la Transquadra, ou euh, des pilotes qui, qui tiennent le bateau de nuit euh, sous speed en 30 nœuds de vent sans aucun problème. Quoi, ils sont bien réglés. Mm -hmm. Donc ça, ça change complètement la donne, évidemment. Quoi. Et ça, c'est sur quoi Sur les 10 dernières années, non Oui, ou les 15. Ouais, les 15. Bah, NKE a, a pas mal contribué à ça, euh, mais bon... les les autres pilotes sont, sont bien aussi. Et quand je disais que les bateaux vont plus vite, moi, ça me frappe pas mal pour les catas, euh, les catas de croisière performant aujourd'hui. Enfin, on peut vraiment diviser par deux le, le, le temps d'une transat. Euh, c'est des moyennes. Les bateaux sur lesquels nous on a navigué quand on a, quand on a tracé l'Atlantique, euh, c'est voilà. Je pense qu'on peut même parler en ce qui me concerne de diviser par trois. Enfin, ouais. Donc c'est une autre, c'est une autre expérience, quoi. Ouais. On est plus vite de l'autre côté. On est plus vite de l'autre côté, on est plus vite euh, par rapport à un phénomène météo qui pourrait nous rattraper et qu'on n'a pas vraiment envie d'affronter. De, de, euh, mm -hmm. C'est euh, ça aussi. Hein, c et la, alors la, les katas, en, en termes côté. de confort à la mer, euh, on dit souvent les katas, on navigue à plat, c'est génial. Attention quand même, c'est des mouvements en mer qui sont pas évidents, quoi, qui sont assez, euh, assez saccadés par définition avec les deux appuis, les deux coques. Euh, si, alors bon après. Euh, après, il y a des questions de budget hein, qui se mettent là-dedans, mais euh, s'il fait choisir un multicoque euh, pour le confort à la mer, c'est plutôt le trimaran, qui, est qu qui a naturellement des mouvements beaucoup plus doux. Mm. Et qui se développe euh, pas mal grâce à un chantier euh, qui est, est d'armes. Enfin, Rochelet. Après, il y en a d'autres euh, qui sont pas mal développés. Là, on est sur la carte de, de la transatlantique et on, on avait choisi de vous mettre une, un visuel justement sur l'évolution des, euh, des sargasses. Et alors, ça, c'est. Euh, est, on est vraiment dans le cœur de, de, de l'actualité. Euh, alors, bon, c'est pas très glam, mais en gros, c'est la pollution euh, des terres qui arrive dans la mer. C'est le, euh, le soja brésilien, c'est ça Exactement. Apparemment. Qui, euh, qui, qui favorise euh, le développement de ces algues euh, qui, euh, qui aujourd'hui, euh, se transforment en d'immenses nappes. Euh, Qu'un voyageur peut être amené à traverser, on peut est être voir. amené à être bloqué dedans. Et voilà la côte au vent de la Martinique, par exemple. Alors, je crois qu'en ce moment, ça va encore. Il y a eu des saisons dramatiques, des empilements de sargasses monstrueux. Ça, ça fait partie des choses qu'on qu rencontre maintenant au large et dont, alors, c'est pas dangereux pour le, le plaisantier. Ça embête beaucoup la course au large parce que ça les, ça les bloque, ça les freine. Euh, le, le, le croisiériste ou le voyageur, lui, il sera un petit peu. Euh... C'est un peu déprimant quand tu es pris là-dedans, quand même. C'est un peu déprimant. Et ce qu'on voit aussi dans cette carte, pour quelque chose de plus riant, c'est la bonne vieille, la Volta, quoi. C'est le, 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 le truc de Christophe Colomb où on traverse avec les Alizés et on revient avec des, des vents de secteur euh, nord-ouest. Et le Gulf Stream, tant qu'il se maintient, s'il si, euh, mmh. si ne s'essouffle pas trop. Mmh nous offre cette possibilité magique d'aller aux Antilles, de refaire un peu de nord et de, et de revenir dans de bonnes conditions aussi. Oui, exactement. Alors, on arrivait sur le, le, le grand voyage. Et le oui, beau euh, bateau. Et le, le beau, beau bateau, bateau. <laughs> mon bateau. Il euh, y a plein de façons de, de voyager aujourd'hui et, et le plus intéressant quand on voyage, c'est finalement de, de, rendre que, de se rendre compte que toutes les, tous les budgets... Tout, tout, toutes, les, euh, toutes les façons de voyager se, se rencontrent dans les mêmes mouillages et partagent les mêmes expériences. Et, euh, et... Bah ça, c'est magique. Euh, Excuse-moi. Hein. Enfin, là, juste une petite parenthèse sur ma, ma modeste expérience c'est que nous, on avait un bateau euh, pourri. Enfin, on avait un bateau. Euh, <laughs> on n'avait pas beaucoup d'argent. On avait un bateau comme ça. Et euh, on avait plein. En fait, on, en voyage, on rencontre plein de gens, on se fait plein de copains dans les, dans les mouillages, surtout qu'on suit justement la Volta, tous un peu la même route. Et tous nos copains avaient des, des bateaux beaucoup, beaucoup mieux et plus rapides et plus confortables. Et, mais par contre, c'est nous qui sommes allés plus loin, parce qu'ils sont tous restés aux Antilles, ils on est jusqu'à Cuba. Donc voilà, il y a cette dimension de temps et de, sur un voyage comme ça qui fait que ce n'est pas ça qui vous limite, en fait. Ce n'est pas une excuse. Non. Pas du tout. Et alors, qui est-ce qu'on rencontre et quelles sont un peu les tendances aujourd'hui sur le grand voyage Moi, j'ai l'impression aujourd'hui que ceux qui partent en voyage se donnent de nouveaux prétextes pour y aller. Donc, on y va pour observer la pollution plastique et en témoigner via des via des, des groupements de scientifiques qui sont en la recherche de données et qui cherchent soit à, à ce qu'on leur lance des balises qui vont envoyer des, des informations, soit tout simplement à, à à avoir des témoignages visuels de, de la pollution plastique. On en voit certains qui, qui vont suivre les, les cétacés, les baleines. Et pareil, pour faire. Donc moi je vois... Moins, moins d'humanitaire. On utilisait ça Non. Il y a 15 ans, c'était plus l humanitaire, voilà Il y a 15 ans, il y avait pas mal de gens qui partaient qui faisaient une étape au Sénégal, souvent, pour apporter du matériel scolaire, etc. Mmh. Moins... En tout cas, ça transparaît moins dans les projets qui nous sont rapportés. Alors, tout ça, c'est très bien, mais vous, aussi... vous n'êtes pas obligé de. Non. De sauver le monde à chaque fois vous allez faire du bateau, je veux dire. Euh... Non, parce que les autres tendances qu'on voit aussi euh, se développer, euh, c'est euh, le fameux rallye euh, anglo-saxon ARC qui, euh, qui, qui fait toujours carton plein, euh, avec de plus en plus de bateaux, avec euh, même euh, je crois qu'aujourd'hui ils ont différents circuits. Alors, il n'y a pas que là. Ouais. Ici à La Rochelle, il y a le, le rallye des îles du Soleil, donc Exactement. orchestré par le Grand Pavois. Mais ça c'est des ça, c un retour. C'est des grandes navigations en flotte. Qui, ces autres possibilités, de, des gens qui n'osent pas trop se lancer, et tout, c'est pas mal, ça euh, permet de, de cadrer un peu les choses et de se lancer, quitte à repartir après en solo, euh, etc. <coughs> en sachant que quand on fait un voyage en, en transatlantique comme ça, on, finalement, on est rarement en solo. Euh, on, on va revenir à la météo. Euh, quand on est euh, au Canary ou au Cap-Vert, en partance pour une transatlantique, la fenêtre météo, elle est la même pour tout le monde. La marina, elle oui. se vide le même jour à la même heure. Et puis ensuite... Tous les bateaux partent en même temps. Souvent, il y a les fameux bateaux copains euh, qui se suivent. Euh, alors, on va vite se perdre de vue euh, au milieu de l'Atlantique, mais euh, une fois de plus, c'est les téléphones. Les, les enfants à bord sont bons catalyseurs de, de bateaux copains. Exactement. Ouais. Et, et donc, finalement, une fois de plus, on, on est seul euh, au milieu de l'Atlantique, en tout cas quand on fait un tour d'horizon. Euh, mais euh, il euh, y a beaucoup de bateaux euh, qui sont autour et, euh, et qu'on retrouve très vite euh, dès qu'on arrive à destination. Et là, on parle, on, on parle beaucoup des Antilles, et de, de la route des Alizés. Il euh, faut aussi un peu ouvrir, euh, voilà, l'imagination euh, au pouvoir. Euh, je, je me rappelle très bien avoir rencontré un, un marin heureux euh, qui était parti et qui avait dit, bah, moi, tout le monde va, il était parti en Baltique, et il s'était dit, je vais aller en Pologne. Et en Pologne, et je crois qu'il a fait un voyage, un voyage extraordinaire, et c'est vrai que la est à la bah Baltique, là, la, la côte vers, euh, bah je crois qu'il est pas jusqu'à Saint-Pétersbourg, il s'est arrêté en Pologne, mais il, est, il a trouvé des coins géniaux, il a rencontré des gens, euh, des gens super, et je pense que bah, la mer, c'est cette magie-là, c'est que bah, par définition, il n'y a pas de route tracée à l'avance, on... voilà, alors, bon, il y a beaucoup d'endroits où on en parlait, où on ne peut plus trop aller, mais euh, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à se lancer sur des destinations euh, ah, incongrues. Oui, L'Atlantique la Nord reste, reste euh, aimante encore. Euh, Saint-Pierre et, en Saint euh, et Miquelon. Saint-Pierre et Miquelon, c'est magnifique. Il euh, y, y a des zones où, le justement, euh, les nouveaux bateaux, euh, qui sont, vous l'avez dit, un peu moins fatigants, la, les nouveaux, nouvelles façons de prendre la météo un peu plus sûres, plus simples, euh, permettent d'aller là-haut. Euh, alors, ce n'est pas accessible à tout le monde, il faut de la préparation. Mais, euh, mais c'est vrai que ça fait des voyages. En tout cas, nous, c'est des voyages qui nous font rêver. Non, parce que tous les pays du Nord, là. Ah, est-ce que, est que vous estimez, euh, est-ce est que vous estimez que les pays du Nord, euh, c'est des zones plus euh, difficiles finalement que de traverser l'Atlantique Parce que finalement, traverser l'Atlantique, on entend. C'est impressionnant. Et Il y, on, y a une on, on destination qui est assez populaire, euh, la route nord, la Norvège. Ouais. Euh, Aujourd'hui, avec un bon bateau, euh, c'est très faisable d'aller sur une. Alors, plutôt évidemment, sur, évidemment sur la sur la saison d'été. Hein mais, euh, mais c'est des destinations géniales et puis sur la route vous pouvez très bien passer par, euh, par l'Écosse, euh, par les îles britanniques enfin, en fait il faut je dirais, un, un des pas que c'est le meilleur moment du voyage mais un, un moment fort, fort du voyage c'est de le préparer c'est d'être face à une carte et, de, et rêver quoi et, et se lâcher euh, nous on avait pas mal des, comment des cartes avec des vents dominants là les, charts, euh, euh, des pilotes les pilotes ouais. charts. C'est un, une machine à rêve un pilote charts. Où vous, pouvez, vous pouvez passer des, des heures à discuter euh, autour de ça, quoi. Et c'est une partie, pour moi, c'est une partie du voyage qui est, qui est magique. Et, et dans, les, dans les exemples de destinations dont on vous parle, vous dont, dont vous avez euh, euh, l'écho, il euh, l'Atlantique reste un aimant ou, euh, où finalement il y a, euh, y a bah, des ouais. destinations vraiment nouvelles qui émergent, des projets vraiment différents qui émergent. Bah, je dirais que les Antilles restent un gros aimant euh, et aussi parce que, euh, parce que des endroits se ferment, parce qu'on on va encore en Grèce évidemment, mais la Turquie ça devient un peu tendu, la Libye je ne vous en parle pas, la, oui, mer, la mer rouge, euh, avant on allait en mer rouge. On aimerait, on aimerait vous dire qu'un tour de Méditerranée, et beaucoup de gens font des, un an en Méditerranée, euh, que c'est encore euh, et que, euh, il faut le faire, mais euh, c'est vrai que euh, tout ce que tu viens de dire, la Turquie s'est fermée... Ouais. Euh, enfin c'est pas fermé la Turquie, il ne faut pas exagérer mais c'est un, à moins bonne presse, on va dire. À moins bonne presse, il y a le risque, il le risque humanitaire qui est qui est pas totalement négligeable non plus, mm -hmm. mais euh, qui commence aussi à arriver aux, aux Canaries puisqu'il y a une nouvelle mi route migratoire qui ouais. part euh, de l'Afrique. Euh, de... Personne n'a envie de se retrouver dans cette situation, de savoir que faire euh, face à, un, ouais. à une embarcation euh, de migrants, quoi. Oui, d'ailleurs, je trouvais l'autre fois, a été publié la carte de la Middle euh, Sea oui, là. Oui. Et c'est vrai que c'est impressionnant. On ne enfin, regarde plus la carte ça, de la Méditerranée ça passe dans de la années ouais, ouais, ouais. Et euh, la Rolex Middle Sea Il passe il y... par Lampedusa et tout. Il y a Thierry Dubois une... euh, qui, en ramenant son bateau euh, de, en Méditerranée, euh, a témoigné, là, il y a quelques temps, euh, d'avoir euh, ram... embarqué euh, et sauvé euh, une soixantaine de migrants euh, mmh. qui étaient à la dérive. Bon, bah, il faut... Euh, il faut, dans certaines zones, en, en, en être conscient que ça peut arriver. Quoi. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça aide pas. Maintenant, ça reste, euh, c'est pas, ce y a de plus courant non plus. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Alors après, les nouvelles, les, les destinations euh, euh, en Méditerranée euh, restent euh, les, les Baléares, l'art sardaigne tout ça, ça reste des endroits euh, qui, euh, qui sont qui là, Après la Croatie, c'est plus une destination de location. Mmh. Mais euh, la Grèce aussi. Mais la Grèce, la, la Grèce, euh, c'est immense. Mmh. Euh, c'est un littoral développé avec toutes ces îles et toutes ces Grèce quoi, que euh, on peut y aller des années sans naviguer deux fois au même endroit et puis c'est, ben moi je trouve c'est un endroit vraiment magique. Euh, et sinon, ben je parle des îles britanniques, euh, pas mal de gens y vont finalement. Euh, alors faut, voilà, faut pas y aller à la recherche de du Grand Soleil, mais, euh, mais c'est des. C est, c est oui, Il y a le canal calédonien, là. Euh, mais ouais. effectivement, la traversée atlantique n'est pas un but en soi. Euh, la plupart des gens qui, comme nous, reviennent, en plus, quand on leur demande quelles étaient vos plus belles escales, euh, les Açores vont sans ça. doute être l'escale qui revient en premier. Les Açores ouais. peuvent être euh, une destination en soi. En soi. Il ouais. y a un rallye euh, nautique qui fait Concarneau-les-Açores, qu aller-retour euh, sur le temps d'un été. Euh, c'est sans doute euh, une des plus belles destinations euh, pour connaître en plus. Euh, Quelques jours de large, c'est assez. assez les Assorts, ouais. c'est ultra préservé, c'est magnifique. Il y a une vie maritime, euh, des mammifères marins partout. C'est ah, complètement. Ouais. Si la transmanche la, la la ne... est l'académie du large, euh, le, un, un aller-retour aux Assorts, c'est l'académie du grand voyage, quoi. Ouais. Parce qu'en arrivant là-bas, donc vous, on aura vécu vraiment une semaine de mer pleine et complète. On aura euh, pu observer euh, les animaux, puisque Beaucoup de, beaucoup de baleines, beaucoup de, beaucoup de dauphins euh, se retrouvent là-bas pour, pour se nourrir. C'est assez magnifique. Euh, les îles, une fois qu'on s'y promène, euh, on, on va retrouver les calderas, donc ces anciens volcans euh, qui aujourd'hui sont ultra-arborés, on va pouvoir faire des randonnées dessus. Et euh, quand on plonge, on a des poissons tropicaux. Et, et du coup, c'est vraiment un concentré, euh, un concentré des Antilles, aux Açores. Ouais. il y a même des vagues à surfer, ouais. euh, formidable. J'ai pas, pas, pas vu, pas ah, vu J'ai mal regardé. Ouais, ouais. trop fragile. Non, non, non c est c est surnommé le, la Nouvelle-Zélande de l'Europe euh, les la Nouvelle-Zélande. Euh, ouais, euh, ouais. ouais. Bon, après, on n'a pas évoqué, oui, le Pacifique, des destinations lointaines. Bon, là, sur des grands, grands voyages euh, de plusieurs années, euh, bien est -ce, sûr. Est-ce qu'il y a encore, euh, si on devait faire une tendance là, des, des, euh, sur les 30 dernières années, est-ce qu'il y a encore des gens qui partent réellement là, qui... parce qu'on a vu en on préparer oui. qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui continuent à voyager à partir au large, mais beaucoup plus dans des expériences euh, maîtrisées, c'est-à-dire six mois, huit mois, quatre mois, parce que avant, peut-être, on pouvait euh, éventuellement quitter la société, entre guillemets, euh, un moment et revenir, espérer trouver du travail et pas avoir de rupture. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, on s'aperçoit. On s'aperçoit, il n'y a, a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'études sur les gens qui partent en voilier ou pas. Il y a simplement des retours d'expérience et il euh, faut se méfier d'ailleurs de ne pas les interpréter de façon euh, trop euh, extrême, d'une façon trop extrême. Mais euh, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui partent sur des périodes données. Euh, et euh, qui louent un bateau, qui revendent le bateau après, puis mm. qui se réinsèrent dans leur, dans leur vie d'avant et qui le vivent très bien. cest tout le monde n'a pas envie de quitter la société euh, à, à tout jamais. Euh, mais est-ce qu'il y a justement il y encore y a, des en gens fait... qui le font, c'est-à-dire qui partent deux ou trois ans vraiment pour un grand départ en, en rupture? En, oui. Moi, je pense que oui, il y en a encore, il y en a encore pas mal. C'est pas mal de jeunes retraités, je pense. Qui, euh, qui à un moment donné euh, ont la possibilité de vraiment euh, tout larguer euh, tant qu'ils sont encore en forme. Et, euh, sont, voilà. et, et puis il y en a aussi, euh, parce que euh, le télétravail euh, peut être possible aussi à distance. On mm -hmm. dit que les communications euh, par satellite euh, marchent, euh, marchent de mieux en mieux. Mm -hmm. Donc il y en a qui font ça. Et il y a aussi euh, certains équipages qui arrivent à, à, à trouver euh, via euh, le. le le récit de leurs aventures sur les réseaux sociaux, sur des, sur des plateformes, des sources de financement qui vont leur permettre de réaliser, de mmh. réaliser ce rêve, voire d'accueillir à leur bord le temps d'une vacance, des, des, vacances, des, euh, des métropolitains qui, eux, n'ont pas le temps de, de se faire ce voyage, mais qui vont venir être hébergés façon Airbnb pour les retrouver mmh. au Belize et faire la semaine de kitesurf dont ils rêvent. Quoi. Mmh. Ça, il y en a hein, qui font ça. Il y a une autre tendance qui est intéressante, tu parlais de prospective, euh, quand on parle avec des gens qui ont, qui ont des, des voiliers à motorisation électrique. Euh, alors, le, le, le bilan euh, écolo immédiat de la motorisation électrique, on peut en discuter, mais ce qui est certain, c'est que ça, ça, ça amène une nouvelle façon de naviguer, une nouvelle ou ancienne, justement, euh, où on ne va pas forcer le destin, on va aller euh, là où les, les conditions nous, nous poussent à aller. Euh, finalement, en croisière, on va naviguer beaucoup plus en, en finesse que quand on est un diesel. On se dit non, euh, dans trois heures, on va être au resto euh, à Sauzon, donc pff, la manette en avant. Là, c'est différent. On, finalement, on retrouve euh, des réflexes de navigation qui sont plus ceux euh, libres, presque d'avant le moteur ou de, de, de moment où on navigue avec des, des sait, voiliers beaucoup plus légèrement motorisés. Quoi. On suit le vent. On suit le vent, ou alors on... Du tout petit temps, on va on va, va s'appuyer avec un tout petit peu de moteur et faire euh, faire du prêt en se faisant. Comme mais de ça façon. devient presque un jeu. Euh, enfin, alors moi, j'ai pas de véhicule électrique, mais euh, j'ai des amis qui en ont et euh, ou même toi, il me semble que tu en utilises une de temps en temps. Oui, et, et où il y a cette espèce de compétition, je vais aller acheter le pain sans consommer, euh, oui, oui. Euh, ma sans, sans vider ma batterie, mmh, voire mmh, en revenant mmh. avec ma batterie, Bien mon sûr. autonomie qui aura augmenté. Ouais, ouais. Et on retrouve. Euh, cette mentalité, euh, dans, les, voilà. dans les propriétaires qu'on a rencontrés et qui a, ont des bateaux, qui équipent leurs bateaux de motorisation et électrique, en... c'est tout d'un coup, on va oui. naviguer s'il n'y a pas de vent, on va mettre suffisamment de moteurs pour se créer un vent apparent et arriver à, à avancer euh, à la en hybride, avec un tout petit peu de moteur et toutes mes voiles. Et en Grande Croisière, il y a une notion de routage énergétique. Euh, qui est un peu issu de la marine marchande d'ailleurs, où ils ont des, des logiciels qui les routent, leur dire Ok, tu vas, pour consommer le moins de, le moins de, de fuel possible, la, la route ça va être celle-ci. Et là, euh, un voilier qui est équipé en photovoltaïque, en panneaux solaires, et qui marche à l'électrique, on peut optimiser sa route de façon à être, euh, avoir les, le meilleur vent possible pour l'éolienne aussi, la meilleure exposition de, de soleil, etc. Donc euh, ça, c'est des, des choses qui sont, assez, qui sont assez nouvelles. Ça amène une nouvelle façon de naviguer, mmh. peut-être plus connectée euh, finalement aux éléments naturels. Quoi. Parce que tu, tu parlais euh, les, à un moment donné euh, des, des motivations euh, du voyage. Euh, c'est aussi effectivement, euh, le, le voilier euh, avance avec l'énergie du vent, euh, se crée sa propre énergie avec euh, souvent encore une éolienne, même si aujourd'hui les panneaux solaires, quand on, vit, quand on voyage sous les tropiques, peuvent largement suffire. Euh, Yannick Bestaven qui est juste... Euh, non, euh, si, euh, l'hydrolienne, c'est lui. Mais oui, c'est ah lui. Évidemment, voilà. WattNC a, a créé quand même un moyen de recharger les batteries super efficace à partir du moment où on navigue à une certaine vitesse. Et donc aujourd'hui, c'est se reconnecter vraiment avec des sources d'énergie renouvelables assez intéressantes. Et après, c'est aussi une façon de vivre à bord dans l'économie. L'eau douce n'est est limitée. Euh, donc, euh, donc, on fait attention et tout ça, 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 ça tout ah ouais. ça, c'est vraiment. Euh, euh, moi, je reviens à Corentin de qui vient de sortir un livre qui s'appelle euh, Ma biosphère, je crois, mm -hmm. euh, et qui est un peu pour moi dans ce sens-là l'héritier moitossier. On n'est pas obligé ouais. d'aller, d'aller, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que lui et, 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 de, se, et de se nourrir euh, d'insectes à bord mais, euh, mais, mais moi, je trouve ça super intéressant sa façon de, de voir les choses et de montrer tout ce qu'on peut faire, euh, toutes les aventures qu'on peut vivre avec très peu de choses. Oui, c'est sa marque de fabrique, je trouve d'ailleurs. Il est, il est pas assez, enfin, il a été médiatisé, il a des retombées, etc. Mais pas assez. Par sur Raste, que... il y a eu toute une série quand même. Oui, oui. Et euh, parce qu'il a apporté beaucoup de choses. Oui, il a une vision. Finalement, je suis d'accord avec toi. C'est, pour moi, c'est le vrai héritier de Moïse dans le sens où euh, ouais. avec tout ce qu'il a fait sur les low tech et tout et de se dire, ben voilà, on est, on est dans un monde différent, euh, même si on est tous venus en voiture et qu'on repartira en voiture et, et qu'on aura des chauffages chez nous. Euh, cet hiver, euh, je, la, je le citais euh, la, la dernière euh, conférence et c'est vrai que je, ça m'a interpellé. Je ne dois pas être le seul. Il a fait 49 au Canada euh, cet été. Euh, bon, ben voilà. Peut-être que la voile, plus que jamais, euh, elle peut, euh, même si a pour avoir discuté avec nombreux responsables de chantier, euh, les gens qui font de la voile ou qui produisent des, des voiliers euh, en polyester avec de la résine et tout, étaient tout à fait conscients que euh, sur le plan de l'impact et sur le plan de l'éthique de fabrication, c'était pas l'objet. Euh, euh, le plus extraordinaire en même mmh. temps. Euh, en même temps, il tout... y a beaucoup de recherches. Hein. Voilà, il y a beaucoup de recherches, et puis tout autant qu'il soit en polyester... Il euh, y a la plupart des voiliers qu'on voit encore dans les, dans les ports qui ont 40 ans. Il euh, y a peu de voitures qui durent 40 ans, donc euh, finalement c'est un objet qui n'est pas idéal sur le plan de la fabrication, bien que ça, euh, comment dire, ça évolue, hein, parce qu'il y, y a une résine, euh, comment dire, la résine hélium euh, qui a été développée par Arkema, là, qui est une résine réversible. C'est la première fois qu'on peut revenir en arrière sur un, sur un, comment dire, sur un composite. Donc ça laisse, euh, ça laisse imaginer qu'on puisse euh, 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 Progresser la, la technologie des voiliers, mais peut-être finalement, n'a jamais été aussi euh, moderne technologiquement parlant. Mais euh, l'industrie euh, nautique se soucie, euh, en tout cas, hum. les, les, les petits chantiers. On remarque que c'est plutôt euh, d'ailleurs les, 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 les PME, et les d'innovation ouais. elles tirent l'innovation. Euh, Aujourd'hui, euh, on, on a de la fibre de lin euh, qui arrive. Il oh. euh, y a de la de, 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 le bambou qui est utilisé aussi oh. en, en remplacement. Il euh, y a euh, de la fibre de basalte euh, pour un, un autre chantier euh, du côté de la Méditerranée qui essaye. Euh, peut-être pas de faire des bateaux bio, on n'en est pas là, mais euh, dont plus responsables dans leur conception, euh, avec, euh, avec aussi un souci, euh, souvent c'est accompagné d'un souci, de, que toute l'usine, que toute l'entreprise fonctionne avec euh, plus euh, une, une éco-responsabilité oui. plus forte. Oui, oui, Donc oui, ça va être une pratique générale. Quoi. Il y a un et, souci, et là, y y a, avoir... et là euh, en tout cas, chez pas mal de constructeurs, il y, a une vraie, il y a une vraie réflexion, mais c'est pas les gros groupes industriels qui se... Qui, pas encore, en tout cas pas encore. commence euh, à réfléchir tout le monde. Oui, commence oui, à Chez certains, il y a une partie euh, de pièces non structurelles euh, qui, qui pourrait euh, pas trop longtemps. Et puis être, on parle large, grand voyage et tout ça. Euh, euh, il faut pas complètement oublier l'aluminium euh, qui lui est recyclable à l'infini et, et beaucoup mmh. de bateaux. Euh, et qui reste un grand standard pour le voyage. Ouais. Et qui reste un grand standard. Ah oui, puis plus que jamais parce qu'on voit tout ce, qui, tout ce qui traîne dans l'océan. Un bateau en a c'est quand même sécurisant. Ouais, c'est peut-être pas mal. Est-ce qu'on peut passer euh, à une période de questions, si vous le voulez bien, parce que je pense qu'on a, vous, vous avez fait le tour de votre. Euh... Oh, bon, nous, on peut aux... en parler deux heures, ouais, mais on va euh, 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 <laughs> <bon, rire> hein. Non, euh, on peut juste conclure. Euh, voyager. Si vous, vous avez l'envie euh, de partir, si vous avez euh, la possibilité de partir, euh, prenez le large, euh, non pas pour fuir euh, notre. Euh, notre monde et tout ça et il faut revenir c'est vachement sympa mais <laughs> c'est super sympa le large c'est super sympa la découverte de nouveaux horizons quoi on y voit des choses magnifiques oui puis en, en voile le large n'est pas très loin ce qu'on disait tout à l'heure si vous allez à belle île c'est déjà une belle aventure puis vous aurez peut-être envie d'aller plus loin oui, d'ailleurs, je finirais, je rebondirai là-dessus. Il, il y a un concept en outdoor là dont on parle beaucoup. Alors évidemment, il y a forcément un peu de mode, un peu de marketing derrière, mais ce qu'on appelle la micro aventure, cest de se dire que bon, effectivement, euh, on a vendu entre guillemets euh, dans les imaginaires. Il y avait forcément le tour du monde, la transatlantique, les grands voyages, etc. Le confinement, notamment, et ce qu'on a vécu les deux dernières années, ont montré que euh, bah, finalement, on a tous, euh, on a tous été obligés de redécouvrir notre environnement proche. Euh, moi je me, je me partage entre Annecy où l'agence et le sud où, où j'habite une partie du temps euh, finalement moi à Aix-en-Provence j'ai redécouvert la Sainte-Victoire, les Calanques ou les endroits comme ouais. ça en bateau euh, les gens finalement quand ils ont commencé à naviguer euh, ont redécouvert le la, 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 la proximité et le rêve et le rêve du large et pas forcément euh, ouais, très loin au large. La navigation au large, le, remonter la Charente, c'est oui, sympa. Hein la navigation sympa. de nuit, enfin, euh, on peut redécouvrir et, et on espère au moins à travers ça. Ce qu'on voulait, c'est de se dire, questionner le large. C'est quoi le large aujourd'hui Les tendances et puis euh, quelles sont les euh, les manières de repartir Quelles sont les nouvelles routes Mais euh, la, la conclusion, finalement, euh, s'il doit y en avoir une, c'est que euh, euh, ça reste. Euh, euh, ça reste un imaginaire et une expérience, que ce soit une nuit ou, euh, ou, ou plusieurs mois, euh, la voile reste quelque chose d'extraordinaire. Merci, merci à tous les trois. On a un petit moment de questions et de réponses sur lequel, euh, durant lequel, on vous laisse le micro, et puis on, on profite de nos orateurs pour euh, euh, pouvoir y répondre. Est-ce qu'il y a une première question? Mmh. <laughs> C'est bien. Il faut, il faut une première question toujours. Oui, bonjour. Donc, j'aurais voulu un peu plus de détails sur euh, le voyage, euh, sur la traversée de l'Atlantique de Damien, je crois. Hein, ça, ouais. euh, en pratique, euh, c'était avec qui, euh, départ à quelle époque, euh, euh, différents les, les, les arrêts, euh, le, la météo à ce moment-là. Enfin, en, en quelques minutes, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé alors moi, je suis parti en famille, donc avec ma femme et mes deux enfants, qui avaient à l'époque 5 et 7 ans, sur un Filling 416, c'est le bateau que vous voyez à l'image, donc plutôt un beau bateau, qui avait 25 ans d'âge, et qu'il a fallu refitter un peu. Alors, j'ai pas dégolfé le fameux dégolfage qui rend un peu tout l'équipage malade, parce que je suis parti de Méditerranée. Donc moi, j'ai commencé très fort, j'ai commencé par un mois à Minorque. Et, euh, et c'est déjà un peu les tropiques, c'est déjà assez... Tu as, as dégolfé du lion J'ai dégolfé <laughs> du lion, c'est vrai. Oui, je suis vite allé m'abriter euh, parce qu'il peut être un peu compliqué. Mais, mais voilà, une navigation tout de suite dans les eaux chaudes, assez sympathique. Et je suis parti euh, début août pour faire ça. Euh, après, euh, je suis sorti de... passer passé Gibraltar bah, un mois et demi plus tard avec une petite escale au Maroc. Euh, après, Canaries. Et euh, je suis allé jusqu'au Cap-Vert euh, pour être bien sur la route tout droit vers la mer. C'était où déjà ton Maroc Ça avait bien fait rêver, Rabat. Rabat. Rabat ouais. Alors, euh, le long de la côte marocaine, il euh, y, y a quelques ports qui sont vides. Alors, il y a de la place partout. Euh, souvent, il y a des barres pour rentrer. Ce n'est pas, pas forcément évident. La navigation le long du littoral n'est pas terrible parce qu'il y a du brouillard, beaucoup de brouillard, beaucoup de pêcheurs. Euh, qui sont qu'on voit pas au radar mais ça tombe bien j'avais pas de radar mais qu'on pas d'ais non plus enfin bref ça, ça peut être un peu stressant et des filets dérivants c'est pas le top de la navigation par contre euh, voilà, ouais, on fait, on fait escale, c'est complètement euh... oui c'est des paysans là ça fait on est tout de suite dans le voyage quoi euh, Canaries j'aurais aimé euh, j'aimerais y retourner aux Canaries pour vraiment euh, visiter tout l'archipel alors c'est l'Europe on est tranquille euh, on n'est pas très surpris mais par contre les paysages sont, sont peuvent je... être dingues t'es pas d'accord c'est pas ah. le, 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 le premier endroit où j'aurais envie de retourner. Moi, Mais je pense qu'il y, bah, je... Je qu y a plus de choses à voir que ce que j'ai vu. C'est vrai euh... que je me suis dit sur le plan de la navigation. Moi, j'y suis allé souvent au Canary pour le kite ou le Winsor, ouais, en, en navigation, c'est les conditions difficiles parce qu'il y a souvent du vent Il ah, y a du vent. Euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et pas de problème. Entre les îles, enfin, dans les canaux entre les îles. Parce que c'est des îles très très hautes, les canaux, ouais. c'est immense. Et pareil, le cap La Comera, c'est joli. Il y a de la mer, il y a du. Cap et Vert, il y a un peu. De... Bah, on évite. Au... Alors là, pour le coup, on évite au large. Hein. Oui. Euh, effectivement, Canaries, Cap Vert, euh, dès qu'on dès, bah, dès qu'on lève l'ancre, euh, on évite dans des conditions de large avec du vent et de la mer. Mm -hmm. Mais euh, mais bon, euh... je me suis jamais. Euh... Bah, le Cap Vert, c'est le début de l'aventure, quoi. Ouais. C'est l'Afrique. Oui. Euh, c'est assez dingue. C'est une bonne claque quand même. C'est une bonne claque. Ouais. Bah, D'ailleurs, je m'étais pris une bonne claque. La seule claque que je me suis pris euh, euh, en... En... en voilier, c'est pour y aller, mais c'était tout somme toute très raisonnable. C'est euh, Canaries, Cap Vert. Euh... Je vais avoir 30 nœuds constants, des claques à 35, peut-être un peu plus, mais au portant sur un bateau comme ça, ça pose pas plus de difficultés que ça. Et puis après départ vers, départ vers la Martinique, euh, ça a été une transat euh, mouvementée parce qu'il y avait 20-25 nœuds de vent euh, constant, mais en, mais, euh, mais tout droit. Donc euh, donc 13 jours, 13 jours où il faut s'occuper des enfants, de, de, de la veille, mais assez simple. Et, euh, et après, on arrive dans des navigations euh, très simples, plus simples que le long de, de, du littoral. On, on est aux Antilles. Et les Antilles, c'est des destinations très courtes à chaque fois. C'est rendu côtier, euh, côtier facile. Il faut se méfier entre les îles parce qu'il y a des couloirs de vent. Mais euh, pas là, que tu connais C'est hein. pas des naves compliquées, C'est pas très compliqué. Moins dangereux qu'en Bretagne. Il a moins de, euh, de y a y a pas, pas de marée. Euh, Il y a pas de marée. Pas de marée. Pas de cailloux. Hum. On se prend pas. Non, c'est pas. C'est pas très compliqué. On pêche. On essaye. Voilà. Et euh, alors après, il faut que j'aille un peu plus vite quand même. Euh, J'ai quitté la masse des, euh, des voyageurs euh, pour faire comme fixe, c'est-à-dire aller jusqu'à Cuba euh, en, en, en faisant une petite hâte en République dominicaine. Donc euh, là, c'est à nouveau un voyage très dépaysant qui commence avec euh, une, aussi le bonheur du voyage, c'est-à-dire les, les, les papiers d'identité. Euh, les relations aux affaires euh, avec les affaires maritimes de ces pays, euh, qui Cuba. Sont... Ouais, mais même la République c'est des pays très, 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 des États policiers. Donc, euh, bon. donc parfois ça peut être un peu rock'n'roll, mais euh, ça se passe relativement bien. Voilà. Et, euh, et, après, bien. Euh, et relâcher, ouais. après, ils m'ont lâché. Après, <laughs> ils m'ont lâché. Et, et, euh, et ouais, alors Cuba, j'ai pas navigué autour de Cuba. C'est un peu comme euh, le Maroc. Je suis rentré dans une, ce qu'ils appellent une marina. En fait, où on rentre dans la mangrove, on amarre le bateau. Et là, je suis parti comme un touriste qui arriverait en avion, sac à dos. Et, et, et voilà. Et on a fait le tour de Cuba. Ce qui est marrant, enfin, ça, ça a dû beaucoup changer Cuba. Mais euh, euh, en, en arrivant à la voie à la Cuba, à l'époque, on n'était pas euh, bagué comme un touriste, entre guillemets. Quoi. Donc, on était un peu en dehors des circuits. parce il, faut mettre, il y a deux mondes pareils à la Cuba le monde des touristes et le monde des gens. Alors et nous, vrai. on était un peu entre les deux. On, on allait dans des trucs où on n'était pas forcément censé aller. D'ailleurs, tu crois pas ce bien de dire On a été un peu en prison. <laughs> ouais. Bon, pas très longtemps, mais. Ouais. moi, quand j'y étais, il y avait encore le, le double système de monnaie à Cuba. Euh, voilà. Donc, la, la, la monnaie pour les touristes et la monnaie pour les, pour les Cubains. Donc. Euh, donc oui, c'est pesant au bout d'un moment. C'est compliqué. Aujourd'hui, ça a disparu. Ça doit être encore différent. Quoi. Mais c'est qu'à l'époque, enfin je, voilà, une fois de plus, ça a pu changer. Mais c'était compliqué de naviguer de, autour mm -hmm. de Cuba. Nous, on l'avait fait un peu. On est arrivé à Santiago. On avait fait le tour de la pointe Maïsic, qui est là. Elle est dans la même marine actuelle d'ailleurs là-bas, près de Holguin, mm -hmm. donc sur la côte ouais. nord, la façade nord de Cuba. Mais euh, chaque euh, escale devait être planifiée euh, avec euh, la police locale, c'était complexe. Le, le bateau que à l'écran est reparti de, depuis plusieurs fois pour faire le tour de l'Atlantique. C'est le prof des bateaux de grand voyage, une fois qu'ils sont préparés, ils n'arrêtent pas de tourner. Et pendant le confinement, il y avait une famille qui était à son bord et qui était à Cuba. Ils se sont proprement fait jeter pour cause de crise sanitaire. Ils ne voulaient plus de touristes, Donc, ils se... voilà. on leur a demandé de d'égarpir pire assez vite. Ce qui n'était pas trop gênant. Je crois qu'ils ont fait leur confinement au Bahamas. Il y a pire. Oui. Plus. Voilà, oui. voilà. Et puis, pour ma part, à part, après Cuba, je suis remonté vers les, vers les Bermudes. J'ai dû y rester 48 heures. Parce qu'il y a une nouvelle fenêtre météo qui s'ouvrait et l'objectif c'était de rejoindre assez vite les Açores pour y passer là aussi du temps parce qu'on m'avait dit que c'était magnifique et, et j'en suis pas déçu. Oui, alors, et retour Bretagne, voilà vous avez fait euh, cette, ce tour qui avait duré un an. Mais les conditions climatiques, euh, alors c'est sûr le retour, le retour, euh, le retour Atlantique Nord, euh, il est différent. La température, en, en, en gros j'ai quitté les Bermudes. Euh, j'ai eu encore, euh, je crois, 24 heures de, de température euh, tropicale et puis tout d'un coup, il euh, y a un front qui passe et, et là, euh, bon, bah, on ressort euh, le ciré, on ressort euh, la, la, au moins une couche de polaire et puis euh, et puis on est euh, on est euh, au prêt. et puis et puis on rentre, on rentre à la maison. C'est pour quoi. ça qu'il faut sur janvier, il faut partir bien équipé même si on va Avec voilà. Euh... voilà, petite partie. On parlait de, de bateaux. Euh écolo responsable, ben ces bateaux-là on voit être en polyester, ils enchaînent les tours de l'Atlantique, et un bateau écolo, c'est un bateau qui navigue, en fait. C'est Pour moi, c'est aussi simple que ça. Euh, et ces bateaux de ces années-là, ou même plus vieux, tous les seuls, légendes, on en connaît tous, qui, euh, qui enchaînent les tours de l'Atlantique, les, les est grandes le il le C'est les... génial, moi je trouve ça super. Ouais, et puis c'est la tendance, on parlait de course ouais. large en disant que la course large n'est pas très propre, il y a Use It Again, est, qui oh, est un, un bateau, euh, qui, euh, un vieux bateau, Bon bah ok, il ne va pas gagner des courses, mais n'empêche qu'il est là, il est présent, euh, il, euh, il fait, et pour le coup, il n'achète rien de neuf, il récupère, euh, il récupère un maximum de choses pour faire, pour faire sa course. Et euh, je pense que suite au dernier vent des globes, euh, Jean Lecam est parti aussi euh, pour avoir une, une pratique raisonnable de limoca euh, avec euh, inciter des jeunes à, à reprendre des bateaux existants. Peut-être moins performant. C'est un souci. Mais l'aventure, un... elle reste là. On, ouais. on, on connaît des, des jeunes coureurs qui, par conviction, ne voudraient pas se faire construire un nouveau bateau, ouais. et en fait, sont obligés sous la pression de leur sponsor, euh, parce que la course, c'est comme ça. Il faut un nouveau bateau parce que aussi, c'est de la com, parce que et ben le gars, c'est son métier, donc il va finir par accepter, mais en fait, il veut pas vraiment ça. C'est fou. Ouais. Parce qu'il y a un nombre de bateaux. Euh... Ça génération impressionnante, un exemple précis en tête. Merci juste juste avant euh, on a une question en ligne, est-ce qu'il y aurait une, encore une question dans l'assemblée euh, <laughs> ou deux une fois que c'est parti, parti. Vous avez parlé tout à l'heure euh, de pays qui fermaient qui se qui se refermaient au niveau des Caraïbes. Est-ce que vous avez est-ce que vous, le magazine va ressortir euh, va faire un sujet là-dessus ou pas sur, sur, la sécurité, euh... ouais, sur la sécurité et pour pouvoir laisser euh, le bateau là-bas dans les Caraïbes quand on a envie de les laisser, quand on veut le laisser euh, une année ou deux, quoi. Euh, bah, alors, je précise juste quoi. que pays qui se ferme, moi je pensais pas au sanitaire, hein, je pensais, euh, je pensais plutôt à, bah, à la délinquance à la sécurité en général. Ouais, ok. Euh, bah, tout ce qui est euh, Trinidad et tobago euh, Venezuela, enfin en fait tout ce qui est en fait côte d'Amérique du Sud, là. On n'y va plus beaucoup, hein, c'est n'est pas très safe. Il y, de... y a eu trop d'histoires de... Mmh. De, 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 un peu... Moi, les peu derniers bateaux euh... qui allaient, avant parler, y allaient, dont on parlait, ils y allaient en flottille pour essayer de, de s'autoprotéger les uns les autres, mais euh, on ne part pas en voyage. On ne pas. Il y a un site, de euh... euh, toute façon, un site gouvernemental qui, euh, comment dire, qui euh, montre le niveau de, de risque. Euh, Je n'ai malheureusement pas le, la référence. Enfin, ça se trouve assez facilement. Bah, sinon vous avez le le cette... risque de, pour le voyage à l'étranger, enfin les niveaux de risque suivant les destinations. Sur Sales the World... Ce n'est pas adapté à la voile, mais c'est quand même un global, global par pays. Sur le, ouais, sur le site de l'association Sales the World, vous avez pas mal d'informations là-dessus aussi. Pour laisser un bateau en hivernage, euh, je connais pas mal de gens qui vont à Grenade. C'est pas mal parce que c'est assez sud, donc c'est en dehors de la, de la zone la plus cyclonique. Et il y, y a des vrais chantiers, enfin, c'est tout à fait euh, possible. Euh, Après, s'il mais... y a à nouveau une crise sanitaire, c'est là où, où ça, ouais. ça peut devenir très compliqué de, de rejoindre son bateau. Ouais. C est, c est, et C'est typiquement ce qui s'est passé pour, pour des gens qui sont assez proches du journal. La, la mieux ouais. qu'elle on pense qui a son son RM à Grenade et, et qui le regarde de loin là, depuis ouais. depuis deux ans. Et euh, ouais. voilà. Est ça. Bonsoir. Est-ce que dans ce que vous avez observé, le large, il passe d'un mode de vie à plutôt des vacances Est-ce que c'est finalement des vacances qui deviennent un mode de vie et après, je me pose aussi la question de euh, comment on fait euh, quand, on, quand on part un an ou même euh, deux jours, parce que euh, de ce que vous racontez, c'est une expérience euh, très forte. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, on observe des changements de comportement euh, une fois qu'on retourne dans un quotidien Et est-ce que le quotidien, c'est le, le même ou pas Et comment on peut euh, vivre ou revivre cette expérience du large euh, plutôt chez soi moi, ça m'est arrivé quand je suis rentré chez moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver près d'un... La... pour me laver les mains et de, de chercher la, la pompe. <laughs> c'est vrai Des trucs comme ça. Mais est-ce que ça euh... te manquait après C'est-à-dire est-ce que tu as eu un stress post-traumatique euh... Non, non, non. quand je suis rentré, j'avais tellement, tellement d'autres projets que tout, tout serait enrayé assez vite. Euh, bah, J'entrais voir le magazine, on attendait un premier enfant, voilà, la, la vie. Mais, mais par contre, c'est vrai que ça se prépare. Et que si on part dans de bonnes conditions, si on ne part pas en fuyant quelque chose, mais euh, en s'offrant une belle parenthèse, en, en ayant quand même une petite idée de comment on va retomber sur nos pieds après, je pense que c'est mieux. On profite mieux de tout le dernier tiers du voyage. Moi, j'ai connu plein de gens qui étaient partis un peu euh, le nez au vent en ayant vendu leur boîte ou quitté leur, euh, leur job. Et des derniers mois du voyage, ils sont tous à se gratter la tête. On va rentrer, qu'est-ce qu'on fait Nous, on n'avait pas ça. Revivre à terre l'expérience le, du large euh... Ce que je peux vous dire, c'est que le confinement euh, en famille euh, n'avait rien à voir avec euh, le confinement sur le bateau pendant une transat. Euh, C'était beaucoup plus stressant. Euh, ce, qui est, ce qui est certain, euh, c'est que, alors moi, je suis parti il y a un an, donc euh, le voyage, le, le, le large vacances devient le, le large quotidien très vite. Mmh. Euh, ce qui change tout euh, dans ce, à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus de notion de temps il euh, n'y a plus de stress, il n'y a plus, de, plus aucune raison d'engueulade. On ne va pas engueuler les enfants parce qu'ils ne sont pas prêts. Prêts à quoi y a, y a Rien ne nous presse. Euh, un, un bon exemple pareil de retour à terre, c'est euh, les enfants qui ont repris leur scolarité, qui étaient plutôt contents de reprendre leur scolarité, et dans, dans les premiers, premières, ça devait être la première semaine de, de, de l'école, ils ouvrent la porte de la maison, il pleut. Ils ont refermé la porte et ils ont enlevé leurs chaussures. On leur dit « mais vous faites quoi L'école, c'est dans 10 minutes !» Non, il pleut. On va attendre qu'il y de pleuvoir. On ira à l'école quand il pleurera plus. Et c'était ça la vie euh, en, en bateau, en tout cas pour moi. C'était bah, on fait les choses euh, au moment où il faut les faire. Et puis si on doit les faire un peu plus tard, euh, c'est pas bien grave. Euh, mais c'est fou comme ça devient vite un mode de vie. Euh, je pense en quelques semaines, même on passe du mode vacances au, au mode de vie. Et oui. je pense que trois semaines et en mer, ça suffit. Moi je me rappelle, m'être dit en... assez vite, euh, mais en fait pourquoi on n'est pas parti plus tôt Parce On a l'impression que c'est compliqué, mais une fois qu'on a coupé le fil, et puis en plus, on, on vit qu'avec des gens, on côtoie plein de gens qui ont fait la même démarche que nous, oui. et ça paraît très naturel. On se demande pourquoi ça nous paraissait si compliqué d'une part. Et puis quand on rentre, bon, moi, je croyais que c'était un peu notre mode de vie, qu'on allait repartir tous les, tous les 4-5 ans. <laughs> Apparemment, non. non. Moi aussi, hein. C'était pas passé, je <laughs> Alors, une pas dernière question, avant de, de terminer. Une question de Stéphane euh, qui nous suit sur Facebook Live. Euh, Est-ce que le cabotage est une forme de navigation au large Non. Non, j'allais dire techniquement, non, parce que le cabotage, c'est euh, plus ou moins chaque soir, ou, ou peut-être. Euh, on... Si on vit au mouillage. Bon, si, après, peut-être si, que le large c'est euh... un état d'esprit. <laughs> non, mais je veux dire. Euh, alors, il faut se rendre sur la définition de cabotage. Si c'est s'arrêter tous les soirs, pour moi, ce n'est pas du large. Si c'est. Euh, si c'est faire La Rochelle, Riron, Riron Lisbonne, oui, là c'est du large. Pour moi, dès lors qu'il y, qu y a des nuits euh, en large, on, enfin, des nuits en mer, on, on peut parler de large. C'est ça qui fait l'expérience différente, ouais. je trouve. Ouais, c'est le côté magique. Hein. Mmh. Ne serait-ce que pour le coucher du soleil et le lever du soleil quelques heures plus tard. Hein. C'est euh, ça qui est magique. Et psychologiquement, euh, c'est ça qui fait philosophiquement parlant aussi, peut-être ouais, c'est ouais, le peu magram, c'est qu'il se balance dans les étoiles comme ça, et tout, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien. Les dauphins, bien. fluorescents, phosphorescents. Ouais. Super, ben, en tous les cas, merci. Merci. Ce que je retiendrai euh, avant de, de terminer et pour conclure, c'est que vous nous avez en tous les cas euh, facilité, donné envie de, de nous extraire un petit peu de notre vie euh, quotidienne et euh, montrer que finalement, la navigation au large. C'est un état d'esprit, ça se prépare. On n'a pas beaucoup parlé de manchons en Voilà, de... exactement. <laughs> C'est en tout cas vous avez euh, su oublier, euh, nous faire oublier les, tous les éléments anxiogènes euh, mmh. et euh, plutôt euh, montrer que il y, y a 50 ans, en, en, dans les années 70 ou maintenant, finalement, il euh, euh, y a beaucoup de choses qui ont changé, mais la navigation euh, reste dans son esprit. Euh, ah bah oui comme elle a été songée, et donc c'est oui. à chacun d'entre nous de se, de se jeter dans ce rêve. Le, le rêve n'a pas dans changé, rêve. il est toujours aussi puissant, et sans doute il est plus accessible aujourd'hui, euh, sans, sans vouloir minimiser d'ailleurs les qualités qu'il faut pour le faire, mais je pense qu'il y a plus de facilité pour le faire aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, merci Thierry, merci Damien, merci François-Xavier, je crois qu'on peut les applaudir avant de, de terminer. Merci. On vous invite à prolonger les échanges juste au-dessus. Euh, on a un coup à boire. Euh, on est heureux de, de continuer ces échanges avec vous. Oh les mecs, vous avez été parfait. C'est vrai? Ouais. Bon. Thank <laughs> you.